Chers amis abonnés, motors, amis nascariens, amis nascariennes, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Benjix Motors. Vous avez fait le bon choix en étant parmi nous ce soir pour vivre ensemble le sixième rendez-vous de la saison de Next Level Racing IFRN Cup Series Spring 2023. Et donc direction le Texas, après avoir été du côté d'Atlanta la semaine dernière en Super Speedway. Bah là, cette semaine... on va tourner à gauche, on va tourner à droite aussi, oui, mesdames et messieurs, puisque nous sommes sur circuit routier, le Circuit of the Americas à Austin, au Texas, donc, pour ce, sixième rendez-vous de la saison, qui sera le Gunnar 165 à Austin. Très heureux, donc, de vous retrouver en compagnie de la Dream Team habituelle de la Motors, à savoir Philippe, alias Fanatic, avec Jérémy Frauli et avec Cédric Colléo. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en quatuor ce soir. Bonsoir, messieurs, ravi de vous retrouver. Oui, on va mettre de côté l'ovale ce soir pour du routier. Oui, tout à fait. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Philippe, bonsoir Cédric et bonsoir à toi, mon cher Benji. Mais oui, comme tu le dis, quota, circuit des Amériques, très répandu pour la F1 notamment, aussi pour l'endurance aussi, la moto, et maintenant depuis, je crois, 2-3 ans, je crois. C'est ça, 3 ans, oui. Ouais, 3 ans, donc maintenant pour la NASCAR, donc voilà, circuit est très très long, donc à mon avis, une course qui va être relativement assez longue, je pense, donc surtout, très attention aussi aux limites de piste, très important, donc ouais. Voilà. On est d'accord, hein, n'est-ce pas, mon cher Philippe, hein, aussi, c'est... ça va nous changer, parce qu'on a plus communément l'habitude de le voir quand même dans cette série. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Et oui, Ben, effectivement, ça va un peu nous changer de l'ovale. C'est clair que ça va être intéressant de voir un peu qui est-ce qui va sortir du lot sur le road, puisque bon, on sait quand même qu'il y a quelques spécialistes dans le championnat qui roulent pas mal de fois sur le road. Donc, on va voir si certains pilotes vont pouvoir se démarquer par rapport à d'autres ce soir. Ça va être peut-être une course assez intéressante à regarder. Mais attention, comme Jérémy disait, attention aux limites de piste et attention surtout aux licences parce qu'il y a déjà eu pas mal de points perdus. Oui, pas mal de points perdus. Donc là, c'est peut-être l'occasion aussi de se rattraper possiblement ce soir au niveau des licences. Hein, Cédric, c'est peut-être le circuit le plus approprié avant une série infernale qui arrive en avril. Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, c'est un circuit où on peut sauver des licences, mais aussi on peut prendre très très cher les... Le gros souci du circuit, c'est qu'on se prend très rapidement des X pour sortie de piste. Malheureusement, sur iRacing, c'est assez mal géré. Hein. C'est assez bien géré pour certaines catégories, mais pour tout ce qui est NASCAR, même IndyCar, c'est un peu mal géré. Dès qu'on met plus de la moitié de la voiture en dehors de la piste, on se prend direct un X et ça peut monter très très vite. En vrai, certains vont essayer de rouler tout doucement à l'arrière. Et, je sais qu'il y en a certains qui vont le faire. Mais il y en a certains qui vont sûrement en profiter pour bien attaquer aussi. Et par contre, eux, ils vont peut-être prendre très très cher ce soir, voire perdre des licences, beaucoup perdre de licences aussi. Ouais, c'est sûr. Donc à surveiller, hein, bien évidemment. Hein. Et vous, les spectateurs et abonnés, vous êtes là, vous interagissez sur notre chat, bien sûr. On va avant toute chose quand même faire le point sur le classement du championnat, bien sûr, dans son état actuel. Donc avec série en cours de victoire par Céline Nussbaum, 3 sur 3 sur les 3 dernières courses en tout cas, 3 sur 5 au total, puisque les deux premières c'était Mikel Cadeau. Donc vous voyez pourquoi ils ont déjà leur nom en jaune, ils sont d'office qualifiés pour les playoffs. Hein. On approche d'ailleurs de ces playoffs, hein. D'ici un petit mois, on y est, attention. Milan Kumayu, ensuite, pour l'instant, serait éligible à ces playoffs, tout comme Frédéric Trins, Maxime Herbert, Guillaume Hénault, Florian Martin, Jean-Philippe Chrétien, Paul Mazière, Jean-Baptiste Charles ou encore Vincent Tomazina. Mais l'écart est quand même assez serré avec Guillaume Blémont, Samy Bourrier, Gérard Segarra, David Paul n'est pas très loin non plus, tout comme William Godot, Philippe Rimbaud, Seth Talagrand qui est également dans ce top 20, ainsi que Nicolas Sciapara. Donc, à surveiller pour ces pilotes-là. Pour la deuxième partie du classement, et là c'est plus les pilotes potentiellement relégables aussi qu'il faut avoir à l'œil. Donc pour l'instant, se maintiendraient Charles Quignon, Lucas Jeanvrin, Julien Lavoine, Nicolas Dubern, Benoît Holzer, ainsi que Fred Altmaier, Jacques Récange, Arnaud Gore, Julien Auffray, Yann Margot, Dinos Petit, Eric Kripzak. Pour l'instant donc relégables, Joël Guez, Guillaume Blancard, Guillaume Pelletier, Antoine Marc, Mathieu Leslie, Luc Carré, Cédric Vinsac.
pas Vincent Biodel. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le top 15 de la série Access, qui est la deuxième division, et donc lui assurerait de se maintenir grâce à son bon positionnement dans la deuxième division. On voit aussi que les écarts sont infimes hein, en termes de points par rapport à cette bulle de relégation. On va dire qu'il peut s'étendre de Fred Attemeyer jusqu'à pratiquement Guillaume Pelletier, hein, on pourrait dire ainsi, même si bon, encore une fois, on n'a fait que 5 courses, on n'a même pas encore atteint la moitié de la saison, donc tout peut encore bouger et évoluer, bien sûr. Au niveau des équipes, maintenant, là, ça a bougé hein, depuis la semaine dernière avec la 99ers Racing qui a pris les devants face à la Red Face, 9 points d'écart. La Ultimate, c'est 3ème. La Frascar, 4ème devant la RV Esport, puis ensuite l'Occitanie Racing, la Wildcats Racing, la 7, la Kraken, l'un est passé devant l'autre. La 7 est passée devant la Kraken la semaine dernière, puis la Nubis qui est passée devant la Turneft Motors, et puis la SBG Motorhead qui est tout l'instant toujours à la dernière position. Bien évidemment, toutes ces situations peuvent être encore sujets à modification et à évolution, bien sûr, messieurs. Peut-être pas des évolutions énormissimes que ça, ce soir. Quoique, Jérémy. Quoique, on n'est pas à l'abri, hein, parce que pour l'instant, comme on l'a vu, les points sont quand même relativement assez proches, donc du coup, il suffit de faire par exemple un doublé d'une équipe et c'est bon, vous raflez la mise. Donc, certes, on n'est pas à Las Vegas, mais bon, c'est oui, voilà. Les points sont quand même relativement importants, c'est clair qu'une bonne course pour une équipe, ça peut jouer dans la balance, ça c'est sûr. Ouais, ça, on verra bien d'ici à l'issue de cette soirée. On en profite. Donc, on salue les spectateurs qui sont là sur notre chat Twitch. N'hésitez pas à interagir, bien sûr. On salue à Alain Nussbaum, le papa, Nosto Colno, hein, un petit peu le voisin hein, du côté de Strasbourg, pas très loin des studios de la chaîne. Salut à Lucas Jeanvrin, Napoléon French. Lucas Jeanvrin qui fait sa dernière course ce soir de la saison, puisque, il va aller dans le monde professionnel désormais. Donc, du coup, il n'aura plus possibilité de toujours être présent pour pouvoir participer aux courses. Salut à Bruno Ledouaré, salut à I'm Fracas, à Johan Margot, Eric Ramirez, Benjamin Hero qui teste la mise à jour de GT7 et la nouvelle extension Forza Horizon 5. On la testera aussi, mais pas tout de suite hein, pour le coup. Thierry Vossi aussi qu'on salue, Fred Atmeyer alias Keyskipper, Nat37160, Arnaud Gorge alias Clarnode, salut à David Grimardias, donc à l'Archange Maverick aussi, et puis bien sûr Jérémy Frouli. Ainsi que Philippe, ainsi que Cédric Olo ont les yeux aussi sur le chat. Bien évidemment, KingNothing35 également, salut à toi. Également, on rappelle les réseaux sociaux avant de détailler la grille de départ. Pour nous suivre, rien de plus simple, Facebook, Instagram, toute l'actu en temps réel, plus des bonus, inside, exclusifs et de nombreux, très très nombreux partages faits en story sur Instagram, vous le remarquez ces derniers temps. Bien sûr, Twitch pour suivre tous les lives de la chaîne. Et puis les replays sont accessibles sur YouTube gratuitement, 24h/24, 7 jours sur 7, mais il faut patienter plusieurs heures après les diffusions. Sinon, si vous êtes plus pressé, vous pouvez les suivre sur Twitch, et dans ce cas-là, il faut être sub à la chaîne, donc vous n'hésitez pas à sub, c'est gratuit pour ceux qui ont une couronne de valeur pseudo, si vous avez Prime, donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub aussi, à partager sur les réseaux sociaux, et bref, à nous suivre. Mais en tout cas, si vous êtes avec nous ce soir, vous avez fait le meilleur choix possible, parce que vous savez que, comme tous les mercredis, c'est IFRN, c'est NASCAR sur la chaîne, vous le savez. Pas tous, mais voilà, vous le savez, c'est le plus important. Alors, on en vient, on va détailler la grille de départ, bien sûr, messieurs, et se rendre compte un tout petit peu de la hiérarchie, avec forcément, un peu les Road Ringers, hein, aussi, qui vont être un petit peu, on va dire, des hommes un petit peu à suivre, enfin, les Road Ringers, vous allez dire, plutôt des habitués du routier, devrait plutôt le dire ainsi. On va très vite faire la grille de départ parce que on n'a pas tout le tour complet. Donc du coup, Tony Repussin, ça, on sera en pôle sur sa Chevrolet numéro 28 devant la 69 de Julien Auffray. Guillaume Pelletier sur la Ford numéro 22 aux côtés de la 36 de Guillaume Blémont. Puis Frédéric Trin sur la numéro 14 Chevrolet aux côtés de Sam Nussbaum sur la Toyota 99. Guillaume Henault sur la Chevrolet 68 aux côtés de Mickaël Cadeau sur la Ford numéro 48. Maxime Herbert sur la Toyota 33 aux côtés de la Chevrolet 88 de Vincent Tomazine. Philippe Rabot ensuite sur la Ford numéro 8 aux côtés de Milan Koumaillou sur le Chevrolet numéro 7. Jacques Fréquent sur la Chevrolet 27 devant Nicolas Duberne sur la Chevrolet 56, puis ensuite David Paul sur la numéro 11 devant Julien Lavoine sur la Ford numéro 44, puis ensuite Florent Martin sur la Chevrolet 49 aux côtés de William Godot sur la 03, Seb Talagrand sur la Ford 82 aux côtés de Charles Collignon sur la Chevrolet 61. La suite, Jérémy Frolic.
Ensuite, Mathieu Lisley sur la Ford, sur la Chevrolet 08, au côté de Nicolas Separa sur la Ford 73. Paul Mazière sur la Toyota 31, au côté de Lucas Jeanvrain sur la Chevrolet numéro 18. Jean-Philippe Chrétien sur la Chevrolet 96, au côté de Vincent Biedel sur la Ford 76. Joël Guay sur la Chevrolet 47, au côté de Ben Hauser sur la Chevrolet 97. Yvan Margot sur la Ford 72, au côté de Antoine Marc sur la Ford 77. Le reste de la grille, Cédric. Samy Bourrier, 31e. Et Arnaud Gorge, 32e pilote. Numéro 57. Ouais. Saïf Finsac, 33e, et Eric Simsac, 34e. 35e, on aura Jean-Baptiste Charles et Dylan Faletti qui sera 36e. Et on aura Fred Atmeyer qui partira pour dernier. Voilà, une grille qu'on a dû faire en express, hein, forcément, puisque bah là, on a un petit chouïa moins de temps que d'habitude, compte tenu, eh bien, tout simplement, de la proximité avec la fin du circuit et avec surtout la ligne de départ arrivée. Cette course d'Austin Le Gunnar 165, avec bien sûr récompense à la clé pour quelques pilotes, eh bien, on est parti. 30 tours au total à boucler pour l'ensemble des protagonistes de cette course. Bon envol effectué par Tony Repulsar pour le coup. Voilà, ça s'accrochait derrière. Ça s'accrochait derrière, ouais. En effet, au niveau de Mickaël Cadeau, je crois. Ouais. Mais Vincent Thomas là aussi. Ouais, il y a Arnaud Gorge aussi, freeway. J'ai l'impression. Il y a un petit freeway là au niveau du T1. Ouais. Bon, bah, de toute façon, dans un instant, hein, de toute façon. De toute façon, hein, sur le premier virage, c'est limite 5 de front, hein, donc bon. Bah, comme on a vu en vrai, hein, c'est. Oui, voilà. En vrai, ils arrivaient à 6 de front, tout contents, ils étaient tous contents. Ouais, bah, c'est ça. Sauf que le virage se referme, donc bon. C'est ça le problème. Ouais, donc du coup là Tony Repulsar voilà qui a déjà pris un petit peu quelques longueurs d'avance, hein, avec cette numéro 28 pilote de la Red Face Racing, bon, qui est un habitué des circuits routiers, hein, Julien Auffray, oui. L'est aussi, Guillaume Blémont également, Guillaume Pelletier aussi, alors que attention Julien Lavoine ici en difficulté avec Florian Martin, ouais. David Paul à l'épingle, David Paul aussi qui était juste derrière à ce moment là encore nous revisionnerons ça si quelques petits instants, bien sûr. Et pas mal de changements de livret aussi, hein, pour ce sort. Ouais, en tout cas, on nous l'a signalé notamment pour ce qui était de William Godot, information que William nous avait Godot, donné. Kim Pelletier aussi, qui voilà. Aborde justement les couleurs du sponsor du jour. Ouais, oui. Sponsor Gunnar, en effet, hein, pilote, on rappelle, de la 7, hein, qui est Guillaume Pelletier. On a deux pilotes Red Face devant et deux pilotes 7. Hein. Bah oui, c'est ça, exactement, en effet. Jean-Baptiste Charles, doublé par Arnaud Gorge. Oui, Philippe. Les plus habitués sur routier, hein, tout simplement. Et qui ont déjà pris une petite avance par rapport aux poursuivants. Donc, ça va être compliqué pour certains derrière. Il y en a qui vont énormément souffrir ce soir. Mais bon, ils peuvent sortir aussi leur pièce du lot. Hein. Bien sûr. S'ils font une course parfaite, voilà, ça peut toujours être gagnant. Alors, sachant que ce soir, d'office, nous aurons un nouveau gagnant, hein, en Cup, puisque les deux éditions précédentes, 2021-2022, toutes deux avaient été gagnées par Antoine Kilikini, qui n'est pas là cette année. Donc, du coup, d'office, nous aurons un nouveau vainqueur en Cup. Ça, déjà, je peux vous donner l'information. On a roulé dans les autres divisions aussi cette semaine, hein, je vous donne l'info aussi. Mathis Hébert, vainqueur en Truck, donc en Ignite lundi soir. Mardi, c'était Matt Kinding, qui d'ailleurs, je me demande, c'est pas sa première victoire d'ailleurs dans l'une des top divisions pour Matt Kinding. C'est sa première victoire en Access, mais il avait déjà gagné en Rookie en 2022. Oui. Ah oui. Donc, du coup, en Spring, première partie d'année, il avait aussi été s'imposer plusieurs fois. Donc voilà. Mais en tout cas, dans les top divisions, c'est déjà imposé. Tout comme Henrik André s'est déjà imposé, Julien Auffray s'est déjà imposé ici en Ignite l'année dernière, en 2022. Tony Repulsar a déjà gagné ici en Access. Et Guillaume Blémont aussi. Donc voilà, on a du candidat à la victoire aux avant-postes, même si c'est un Nussbaum. Et vient de passer à l'instant devant Guillaume Blémont. Alors, on va peut-être s'intéresser à ce qui s'est passé sur les premiers instants de course, hein, peut-être. Déjà, alors on va essayer de vous retrouver cela. C'était donc dans les premiers instants de cette course. Regardons ici. Alors, avec Vincent Tomasina, voilà. Ouais. Ah, jette, oui, Maxime Herbert a été touché aussi. Puis ensuite derrière, Nicolas Ciappara, vous avez vu qu'il a tout de suite freiné, attendu. Bon réflexe, hein, de son côté. Ça va,
Et petit truc, hein, tous les pilotes qui sont partis à l'extérieur, là, ils ont tous pris un X. Hein, donc, Ah bah oui, c'est ça le Ah, le gros souci du circuit, c'est que dès qu'on sort, c'est même en voulant, même pour une bonne chose, hein, sortir, c'est foutu, c'est direct un X et J'ai envie de ça peut dire, faire mal. c'était mieux de prendre un X à la limite Ah oui. que Ah oui, là, ah oui, d'avoir un pardon. accident en plein milieu. Donc c'est une meilleure, un meilleur choix, je veux dire, pour les C'est départs. sûr. Alors ici, C'est Julien sûr, c'est Lavoine, sûr. c'était tout seul, et là, Florian Martin, oui, qui arrivait un peu vite derrière, qui n'a pas pu l'éviter. Du coup, on va voir depuis sa caméra embarquée, justement, à Florian. Ouais, là, ouais, Elle ne peut pas faire grand-chose, peut en pas vrai. faire grand-chose, ouais, non, en effet, donc là, c'était en effet assez compliqué. Antoine Marc, un peu plus loin, qui a connu lui aussi un petit tête à queue, ici, petite glissade. Ah, ouais, bah ça va. Ben non, c'était à la même épingle justement, mais c'était au tour suivant, au tour numéro 2 en l'occurrence, que Anton Marc avait été perdre le contrôle de cette voiture. Bon, évidemment, il n'y aura pas de drapeau jaune sur cette course, à supposer, donc du coup, on ne va pas vous lancer de prédiction sur les drapeaux jaunes. En revanche, alors qu'attention, ici Guillaume Hinault face à Guillaume Blémont qui est redescendu un Ouais, petit peu dans le classement. ouais, ouais. Guillaume qui a du mal, Guillaume Blémont, là, au fur et à mesure des tours. C'est ça. Tu parlais des incidents, 25 incidents, hein, on rappelle la limite avant disqualification, ça change Tout à pas. fait. Et 3 trains de pneumatiques qui sont attribués, même si normalement. Ça passe largement. Ouais, même un seul suffit, Surtout je pense. qu'en cup, par rapport à la truck ou à l'access, il me semble on peut largement faire la course toute entière avec un Oui, seul train de pneus. largement, largement. Ouais. Parce que la physique des pneus en cup est assez particulière. Donc, et c'est pas que sur le quota, hein, c'est surtout les circuits routiers, même à Sonoma, qui est un circuit qui est assez éprouvant normalement pour les pneus, Oui, oui. on peut faire la course avec le même train de pneus. Donc c'est un petit bug qu'il y a sur les pneus sur les racines, mais bon, ça, avec un peu de chance, sur une prochaine grosse mise à jour, on aura peut-être quelque chose de mieux, un peu plus réaliste. Mais bon, en Peut-être. attendant, on fait ça. En tout cas, il y a déjà une chose qui a été annoncée sur la prochaine mise à jour. Bon, c'est pas de la NASCAR, certes, ce qu'on vous évoque là, mais il y aura Oh. l'arrivée de la LMP3, en l'occurrence, hein, qui Eh arrivera donc sur iRacing en juin prochain. Comme bah, il y a le teasing de la pluie hein, qui est passé il y a quelques jours oui. d'ici. Maintenant, est-ce que ce sera pour juin ou plus tard? Ça, seul iRacing le sait. Ah bah là, oui. En tout Et cas, on vous ouh, a déjà partagé la LMP3 Fred en story sur Altmeyer. Instagram hein, pour information. Donc voilà. Et Fred Altmeyer, c'est déjà terminé. Ah, Ouais. alors Ouais, Fred Fred. Altmeyer, le souci de Fred, du coup, qui est à la 7, avec qui j'ai pu lui parler. Alors, il avait un petit souci, c'est que depuis le début de la. Enfin, depuis 2-3 jours, il n'avait pas d'internet. Et du coup, il ne pouvait pas s'entraîner sur le circuit. Aïe aïe Et du coup, il a pu rouler à partir de. Il y a 1 heure à peu près. Il a roulé 1 heure avant la course. Donc, il n'était pas du tout prêt pour la course. Oula, et Jean-Philippe Chrétien qui est parti au niveau de la Oh ligne ouais, d'arrivée. au dernier virage, Jean-Philippe Chrétien là ici. Donc pour Fred, c'est possiblement pour Fred Altmeyer, c'est possiblement Résultant de ces problèmes de connexion peut-être, ouais. C'est ça. Le manque d'entraînement et le manque de rythme. Oui, bah, surtout. Sur la relance ici, Jean-Philippe peut-être un peu trop fort. Un peu trop fort, un peu trop Trop tôt, c'est sur les possible. gaz, ouais. Ouais, on l'entend un peu, hein, que oui, c'était un tout petit chouïa, tout quick, on va dire ainsi, pour le coup. Pour le club de la Red Fox, ça c'est Guillaume Hinault face à Jacques Récan ici, en duel. Et Frédéric Trince qui est passé devant Cyril Nussbaum aussi. Oui, exact. Et ça passe pour Guillaume Hinault. Ça tire un peu large, du Voilà, c'est coup. très large, ouais. Ça permet à C'est ça. Philippe Rimbaud de passer devant Jacques Récan. Et puis, il y avait aussi Charles Collignon qui était aussi dans cette action-là. Et qui, lui, en a profité pour passer aussi. Nicolas Ciappara, juste derrière, non? Non, c'est Non, Nicolas c'est Duberne. Nicolas Duberne, ouais. C'est un Nicolas, mais c'était l'autre, en l'occurrence. Alors qu'attention, justement, Nicolas Duberne. Qui passe sur Jacques Récan. Hop là! Là, ça Oula! bouchonne, ouais. Ça bouchonne un peu. Ouais, Charles Collignon qui a. A évité de. Peut-être il a voulu éviter d'aller prendre un X Mais en ça a été allant. touché, je crois. Ça a touché avec Nicolas Ouais, Duberne, je crois. Hein. ouais. Si je dis pas de bêtises, donc. Ouais. On va voir Caméra là. ça. Ah oui, il y a une légère Ouais, il y a un petit bump, touchette. ouais. Ouais, du coup, il a pilé sur les freins et. Bon, en vrai, il n'y a pas eu de Ça casse, va, hein. Il n'y a ça pas eu de va, voitures ça qui sont tapées passe. en dehors de ça. Hein. En dehors du petit bump, en vrai. Ouais. Donc, ça, c'est pas trop mal. C'est en effet encore
encore été potable. Et en attendant, Tony Repoussin, ben, continue à creuser un petit peu. Tony. Là, il est bien parti pour le moment. À 2 secondes, hein, là, je pense qu'il est tranquille pendant un moment, hein, parce que derrière, j'ai l'impression que ça souffre un peu beaucoup, hein, ce soir. Donc on va revoir le dépassement de Frédéric Train sur Cyril Nussbaum, en l'occurrence. Là, ici, c'était au tour numéro 4, au début de ce tour, c'est dans la ligne droite, voilà, juste avant la première zone de frein, au sommet de cette longue montée, pour le coup. Oui, la plus haute du circuit, hein. C'est vrai, la plus haute du calendrier de la Formule 1 en l'occurrence et de la NASCAR aussi du coup également. Et attention Cyril, c'était chaud. Cyril avec Maxime Herbert juste derrière. Hein. Ouais. Mister Meumeu est attaqué par Guillaume Blémont ici au frein. Ouais. De l'épingle. Oui, ça passe pour le pilote belge, Maxime Herbert résiste quand même. Un petit drag race entre les deux, du coup. Ça, c'est beau. Ouais, mais Maxime a l'aspiration un petit peu. Hein, donc, attention, parce qu'il faut bien anticiper ces virages. Hein, pas arriver Justement, c'est ce que Maxime Herbert apprend à ses dépens. Il arrive un peu trop fort. Il arrive un peu trop fort et du coup, il a peut-être freiné un peu trop tard. Frédéric Trins qui bloque ici face à Guillaume Blémont. Attention quand même. Et du coup, c'est Maxime qui en profite. Qui repasse tout le monde. Guillaume Blémont, lui qui a passé du coup aussi Frédéric Trinst, comme c'est Nussbaum aussi, il est passé devant. Et attention, Guillaume Blémont. Maxime Herbert là, oui. La petite touchette là pour déstabiliser. Là, c'est un peu tout juste, hein. Un peu tout match. Alors, c'est NASCAR. Oui, c'est NASCAR, oui. Et Fred Atmeyer qui nous précise sur le chat qu'il a préféré assurer pour les prochaines courses, donc il s'est arrêté parce qu'il n'a plus que 3 points. Donc il a préféré ne pas prendre de risques. Et Guillaume Blémont, une nouvelle fois. C'est bon. Ça passe. Oui, c'est là qu'on voit les pilotes qui ont un peu plus l'habitude du road. Assez de front que du ovale, donc on retrouve des pilotes qui en général sont rarement aux avant-postes, et là c'est tout le contraire, ils sont justement là, c'est une bonne chose pour eux pour récupérer des points justement. Il y a des pilotes et il y a des pilotes qui ont besoin de points aussi pour monter, hein. Guillaume Belty qui est dans la zone rouge, qui est assez bas dans la zone rouge, hein, qui est 36e 35e je crois au général, donc en vrai s'il fait un top 5 ce soir, il peut bien remonter au classement. Absolument. C'est tout à fait ça, donc du coup, à surveiller quand même assez attentivement. Et pour le coup, on va aussi faire un petit peu le tour des pilotes. On va dire qu'ils sont un peu dans l'œil du cyclone des licences. Juste après avoir vu ici Frédéric Train sur Maxime Herbert, qui tente de reprendre les devants. Le pilote de la Wildcats Racing. C'est chose faite, peut-être que Vincent Tomazina lui aussi s'en profiterait dans la même séquence pour passer. Non. Pas pour le moment. Pas tout de suite en tout cas. Oui, donc les points de licence, je vous disais. Donc on a William Godot qui n'a plus que 6 points sur sa première licence. Donc attention, danger. De son côté, Eric Stripzak qui a 15 points sur sa deuxième licence. 15 points sur sa troisième licence pour Mathieu Leslie, donc lui encore plus en danger aussi parce qu'il a déjà 2 licences de perdu depuis le début de cette saison. 3 points sur sa première licence pour David Paul, 15 points sur la deuxième licence pour Cédric Finsac, 3 points sur sa première licence donc pour Fred Atmeyer, on en a parlé. On a aussi 12 points sur la première licence pour Samy Bourrier, 10 points sur première licence pour Charles Collignon, 8 points sur première licence pour Julien Auffray, 9 points sur la première licence pour Vincent Tomazina, 11 points sur la première licence pour Dylan Fetti. Puis pour le reste, bon, on n'est pas en zone de danger. On a juste quand même Lucas Jeanvrain qui avait perdu sa première licence. Il est à 22 points sur sa deuxième, 26 points sur deuxième licence pour Paul Mazière, 30 points sur deuxième licence pour Joël Guez, 23 points sur deuxième licence pour Guillaume Hénault, 30 points sur deuxième licence pour Vincent Biodel, 15 points sur deuxième licence pour Antoine Marc, j'en avais pas parlé, et 21 points sur deuxième licence pour Benoît Holzer. Donc, un peu pour ceux qui sont, on va dire, à surveiller un tout petit peu de ce côté-là, qui ce soir, peut-être, n'auront pas forcément
à prendre trop de risques pour justement peut-être assurer ses points de licence. Ouais, il va falloir pour certains avoir la lucidité de se dire si on est en combat pour une place, peut-être se dire bon, on laisse on laisse partir au pire, on revient un peu plus tard. Faut avoir la lucidité de le faire. Hein, et des fois, c'est pas facile hein, de se dire de lâcher pour ensuite avoir un peu plus de tranquillité. Tout à l'heure, bah, par exemple, Maxime Herbert, tout à l'heure, a laissé passer. C'était qui? C'était Guillaume Blémont, je pense, parce qu'il voyait qu'il était un peu plus rapide et un peu plus à l'attaque. Et je pense que Maxime voulait un peu économiser ses pneus aussi. On le voit que Maxime est un peu à l'agonie en vrai. Il a perdu quand même pas mal de place, quoi que je ne suis pas remonté un petit peu. C'est ça, donc. Mais ouais, après, faut avoir la lucidité de se dire de laisser passer. En tous les cas, si on laisse passer, on peut toujours revenir un peu plus tard et ça permet d'économiser les gommes au moins. Donc, faut voir. À suivre donc dans cette longue épreuve du Gunnar 165. Alors Gunnar, oui, qui est donc sponsor titre pour cette course et qui va être généreux puisque le poleman, donc Tony Ropussa, a déjà gagné une paire de lunettes. Voilà. Une paire aussi parmi les pilotes n'ayant jamais gagné un lot ou une récompense de fin de saison par tirage au sort aussi. Et puis il y a une paire qui sera gagnée aussi par un pilote qui aura partagé la publication sur Facebook ou sur Twitter. Mais sauf qu'il fallait le faire avant la course, hein, évidemment. Là maintenant, c'est trop tard pour le coup. Hein, si vous essayez de participer, ça fonctionnera pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, tout de go. N'essayez même pas. Il y en a parfois qui essayent après coup. Ah, bah. Il y en a. Ils ont bien raison de tenter, mais. Mais ça passe pas. C'est peu de personnes. Ils ont eu des problèmes. Merci, cela dit. Il est très rapide. Voilà, le petit clin d'œil, chevalier Las Palès, évidemment. Bien vu, mon cher Philippe. Ressortir ça sur une course de NASCAR, faut le faire aussi. Hein, mais bon. Ouais, t'as vu ça, ouais. C'est un gros esprit, ça. Oui, voilà la tronche des grands esprits. Enfin. Jean d'Ormesson se retourne dans sa tombe, à mon avis, après ça. Enfin, bref. C'est moche. C'est pas bien, monsieur. Oui, 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 attention au premier virage, là. Oui. Ouais, là, ici, entre Cédric Finsac et Margot. Ah, c'est très, très compliqué pour certains. On le voit. Ouais. Ça roule sur des œufs. Hein. Excusez-moi l'expression, mais bon. Non, mais c'est ça. Hein, c'est ça, mais c'est vraiment. C'est ça. On voit qu'il y en a qui ont vraiment difficile sur routier. Et c'est pas évident pour eux. Mais bon, s'ils peuvent assurer une place légitime et sans trop d'incidents, ça peut être payant aussi. Hein, ne pas avoir de hink, ça peut récupérer des points sur une licence. Hein, Ça a son importance parce que, comme on l'a dit, on va arriver en plus de ça dans un mois qui va être un mois infernal, le mois de l'enfer, un petit peu, hein, ce mois d'avril. Hein, si on affiche déjà. Alors, juste voilà, on vous affiche le panneau des rendez-vous, c'est juste pour se donner un ordre d'idée. C'est que là, on va avoir Richmond qui est un short track. Bristol Dirt, Martinsville qui est un short track aussi, et puis Talladega. Donc vous avez compris que là, avec l'enchaînement de courses qu'on va avoir sur le mois d'avril, ici en Cup, ça va être quand même assez tendu. Alors qu'ici, Johan Margot semble se défaire de Cédric Finsac. C'est chose faite. Il est donc passé, là, ici. Mais c'est vrai que ce mois d'avril va être. Il va casser des licences, hein, je pense. Il va y avoir beaucoup de cases de licences. À minima, en effet. C'est souvent des coups à élimination, hein, c'est ça. Hein, ouais, c'est genre. On sait comment ça se passe. Donc, malheureusement, c'est souvent le cas. Donc. Voilà, après, je pense. Faire attention, quoi. Minimiser les dégâts. C'est ça. Et Yoann Margot, qui est trop constante. Oh, qui rate son entrée! Aïe, il rate l'entrée des stands, Johan Margot. J'ai cru qu'il a voulu faire une lutte à Jean, frère. J'ai failli croire aussi, effectivement, mais non, là... Voilà. Après, faut pas croire, mais l'entrée est assez compliquée, en vrai. Elle est un peu traître. En plus, on peut pas trop mettre les pneus à l'intérieur, parce qu'il y a une espèce de bande noire à l'entrée des pits. On peut pas trop couper sur ça.
Sinon, Oui, bah c'est on se prend ça. un peu, on prend du temps de pénalité, ou une... Je sais même pas ce qu'on prend en vrai. Mais je sais qu'on peut se prendre une petite pénalité, je crois, en prenant ça. Ouais, tu as Donc, quelques secondes, à mon avis, de pénalité, je pense. Ouais. Alors, faut quand même faire bien gaffe, hein. Mine de rien, là aussi, ça serait idiot de se prendre une, entre guillemets, une biaise pénalité, comme on dirait dans un parler bien belge. Pour le Bien coup. belge une fois. Ah bah oui, hein. Et donc voilà, donc on parlait de la LMP3 tout à l'heure, vous pouvez la voir, donc comme je vous disais, en story sur Instagram, hein, parce que voilà, parmi nos nombreux partages qu'on fait, on fait aussi un peu des partages d'actu, là aussi, par rapport à vos licences favorites que vous suivez sur notre antenne. Hein. Maintenant, Cyril, lui, fait une course plutôt tranquille et assure plutôt les points avec une belle petite quatrième position. Sans trop forcer, sans trop attaquer. Pour le moment, ça lui réussit plutôt pas mal. Bah, surtout que Ciel est un très bon pilote, hein, mais c'est vrai que devant les autres pilotes, enfin ceux qui sont devant sont, on va dire, plus des pilotes de routier, hein, pour le coup. Hein. Tony Repulsa est très bon. Je lui Oh, offre, il a 6000 d'aératrice, je crois, en routier. oui, c'est ça, ouais. Absolument, 6432. Bah oui. Donc Oui. en vrai, c'est des pilotes qui ont un très très bon niveau devant et ça montre que Ciel peut être aussi un peu humain. Hein, c'est. Il est bon, hein, mais ça montre au moins qu'il est un peu humain, qu'il n'est pas non plus à tout ravager dans le championnat. Hein, Ouh, il a... Samy Attention Bourrier qui a eu un entre... souci. Ah. Pendant ce temps-là, on revient juste en arrière pour revisionner. Il y a eu un problème pour Samy Bourrier. Parce que, bon, là, dans la ligne droite, pas de souci. Ah, d'accord. Ah, bon, bah, en fait, voilà. On a la raison. C'est pas un souci technique. C'est. Alors, je vais être franc sur les termes. C'est. Il a atteint d'une phlémangite aiguë. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de rouler. Voilà. Il n'a pas envie de rouler sur quota parce qu'il s'est pas entraîné, il a son BTS blanc aussi. Donc voilà, Ah priorité aux études dans ce cas-là. oui. En même temps, quand tu t'entraînes pas et que tu arrives sur un circuit comme Voilà. Cota, Ouais. tu sais que t'as pas tellement envie parce qu'il faut vraiment rouler dessus pour vraiment prendre Bah le c'est pli sur ça. ce circuit. Et malheureusement, quand t'as pas eu le temps, ben, Ça tu devient te dis que sacré ça sert pas difficile, ouais, vraiment à voilà. grand-chose, quoi. Et puis tu risques de ruiner la course de quelqu'un d'autre. C'est Si un risque quelqu'un aussi, ouais. part faire une erreur et que la voiture derrière arrive, tu peux ruiner la course de quelqu'un. Donc je veux dire que c'est plus honorable qu'une flémagie, tu veux dire. Ouais, mais je disais ça pour la boutade, Oui, bien évidemment, sûr, hein. bien Attention, c'est. sûr. Mais je pense que bon, voilà, c'est plus honorable de se dire Ouais, voilà. autant qu'arrête que de prendre des risques et de faire un Alors, incident. King Nothing qui nous dit Henrik André non plus ne s'est pas entraîné. Bah, en même temps, il est plus en cup, Henrik André, donc. Et ça Ouais, mais fait... hier, il a fait une très belle course. Hein, on Ah, accepte. voilà, c'est pour ça. Ouais. Il était parti 28e, je crois, ou 29e, et il a fini top 5, je crois, même. Ah oui, Il a eu très, effectivement, très oui. bien. Ouais, mais non, quand même, c'est un pilote habitué du road, Voilà, donc... pilote Ah oui. officiel race clutch pour le coup. Oui. Et puis, il a fini combien? Je vais regarder vite fait. Et Mike Kindy, je vous rappelle qu'il a gagné, hein, pour le coup. 5 tours d'entraînement, apparemment, il n'avait pas fait beaucoup plus. Michael Cadeau ici sur Guillaume Henno. Alors, pendant ce temps-là, il y a votre pronostic que vous pouvez faire. Hein. En misant avec vos Motors Points, vous pouvez miser et faire votre pronostic sur qui Henrik, sera le vainqueur ce soir. bah, Tu moi, il a... demandais celui qu'Henrik a fini deuxième. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, il a fini deuxième en partant fin de sixième. Hein. Et Oui, oui, oui. il a eu des problèmes en course. Hein. Il aurait pu finir dans le pare-choc de Matt parce qu'en vrai, il a eu, je crois, en début de course, il a eu un accrochage avec une autre voiture. Donc, il a perdu peut-être 5-6 secondes sur ça. Donc, un peu plus. En vrai, il aurait pu revenir sur Matt Keating s'il n'avait pas eu de soucis. Donc ça montre ouais, le niveau que certains pilotes ont quand même. Ouais, c'est Même sûr que sans effectivement. s'entraîner. Ah bah ça. Quand t'as l'habitude du routier, à la limite, ça peut encore passer, je veux dire, mais quand t'as pas l'habitude du routier, il faut vraiment s'entraîner, quoi. C'est vrai. Et même des fois en s'entraînant, on voit que ça marche pas. Ah, bien sûr, ah ben, ça dépend du Et circuit. ça. Si on ne l'aime Ouh, ça pas. passe pour Michael Cadeau sur Guillaume Henno pendant ce temps-là. Ouais. Si on n'aime vraiment pas le circuit, voilà quoi. Moi, je Ouais, peux vous ça. dire. Ah ben je peux vous dire que sur Cota, j'aurais été loin derrière.
Ah, ça, c'est pas faux non plus. Ah, mais je ne l'aime pas. Même en F1, je ne l'aimais pas. Bah, il y a des circuits comme ça. Surtout que Kota. Moi, je trouve que Kota, c'est vrai que c'est pas un circuit qui est très. Enfin, c'est beau pour les images. Hein. Le T1 avec 6 voitures de fond, c'est magnifique. Et le problème, c'est que c'est pas un circuit très adapté pour un NASCAR en vrai. Non, c'est ça. Mais il n'est pas très apprécié non plus. Hein. C'est pas un circuit qui est très apprécié, que ce soit dans le réel ou dans le sim racing. Hein. Voilà, comme David Grimardias dit, c'est pas un circuit pour la NASCAR. Je suis amplement d'accord. Ah non, clairement, la NASCAR, clairement. Ça va pas. Non. La Formule 1, c'est pas non plus ouf. Et la moto, c'est dangereux parce que trop bosselé aussi. Je préfère dire les choses. Hein, parce que regardez le Grand Prix, quand il y a le Grand Prix MotoGP qui va sur ce tracé, sincèrement, c'est quand même très, très, très limite. Franchement. Je ne suis pas forcément partisan de ce tracé-là, en tout cas, pour la moto. Et puis alors en IndyCar, où là, les limites de piste. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Non, clairement, ce un bon circuit d'IndyCar, par contre. C'est un bon circuit d'IndyCar, moi, je trouve. Mais... Ouais. Après, c'est vrai que c'est... Mais, comme souvent, les circuits d'Hermann Tilke, il y en a beaucoup, c'est à jeter à la poubelle, en fait. Hein. C'est plutôt Hermann Tank... Tank, je ne sais pas quoi, hein. Mais bon, bref. Donc, les circuits ne sont pas... Ne sont pas utilisés. Il n'y a que Sepang qui est bien d'Hermann Tilke. Il n'y a que Sepang. Ça n'est pas utilisé à leur juste valeur, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Tout simplement, on met plein de catégories dessus et vas-y, allez rouler. Non, je pense que certains circuits sont faits pour certaines catégories. Par exemple, ici, c'est fait pour de l'endurance, à la limite, pour les voitures de GT, mais pas pour des voitures de NASCAR. Ouais, le WEC, quand ils étaient venus, voilà, je trouvais que c'était approprié à l'époque, le championnat du monde d'endurance. Mmh. Oui, moi aussi. Mais à part ça. Mais bon, voilà. Malheureusement, bon ben voilà, c'est eux qui décident, hein, voilà. Et bon. Ouais, Après, c'est un circuit qui est quand même plutôt beau, mais le souci, c'est que c'est un circuit qui est vallonné, mais qui a pas mal de potentiel en vrai, hein, qui est pas trop mal, hein, qui a plein de trucs. Mais en fait, le souci, c'est que déjà le terrain, il est pas terrible. Hein. C'est pas un marais, justement. C'est un ancien marais ou un truc comme ça. Je crois qu'il est construit sur des anciens marécages ou un truc comme ça. Ouais, donc du coup, c'est. C'est pour ça qu'il y a plein de boss sur le tapis. Je pense qu'ils ont essayé aussi de copier un peu un style de circuit européen. Parce que quand tu regardes Kota, ça fait pas vraiment un circuit à l'américaine. Non. Quoi. Non. Ah oui, non, pas du un Barber Motorsports Park ou d'autres circuits de sports car nord-américains. Voilà. T'as l'impression qu'ici, ils ont voulu essayer de faire un peu circuit européen. Mais bon. En même temps, ils s'inspirent un peu des circuits européens. Vous voyez l'enchaînement des S, ça reprend la base de Silverstone. C'est ça. Oui. Ouais. De Beckett, clairement. Voilà. Le 17, ça ressemble à Istanbul. À Istanbul, ouais, le grand virage à droite, ouais. Ouais. Le virage à droite. Après, je crois qu'il y a encore. Le premier dire, je sais pas, par rapport à l'Autriche, un peu si, il me semble. En version inversée, par rapport à l'épingle Rémus, ouais, sans doute. Donc en vrai, ouais, après, ils ont pris des idées un peu de pas mal de circuits européens pour essayer de le mettre sur un circuit. Mais assembler plein de circuits différents sur un circuit, ça donne pas non plus. Je pense qu'ils auraient dû rester sur ce qu'ils savent faire de mieux. Les bons vieux circuits à l'américaine. Ouais, mais le problème, c'était parce qu'il fallait un circuit approprié pour la Formule 1. Et donc, on fait appel à Hermann Tilke. Et donc, forcément, quand on mélange tout. Voilà, c'est ça. C'est Hermann Furtu. Alors, j'ai les caractéristiques du circuit. Alors, effectivement, premier virage s'inspire du premier virage du Red Bull Ring. Ok. Donc, les virages 3 à 6, c'est l'enchaînement Maggots Beckett Chapel. Ouais. On l'a dit. Virage 7 et 9, de 7 à 9, c'est les S de Senna. Oui, exact. Ouais. Et les virages du numéro 13 à 15 reprennent l'entrée du stade de Hockenheim. Ouais, aussi, ouais. Et 16 à 18, le quadruple gauche d'Istanbul. Voilà, on y vient justement.
Donc, quelque part, la personne qui a fait, si c'est lui, on ne citera pas encore son nom, ben, il n'a pas eu d'intelligence. Ouais, il a Après, mal, il y a des... je pense qu'il a mal mangé son currywurst ce jour-là. Je pense même que, fameusement, il l'a avalé de travers. Hein. Navi, il y avait plus Après, de curry que de wurst. Hein. Ouais, il me semble. Hein, parce que... Après, il y a des circuits d'utilité qui sont pas mal en vrai. Enfin, oui, même oui. Des services qui sont utilisés. Par exemple, Sepang. Sepang, ouais. Et même Sepang, oui. La Corée, beaucoup de pilotes ont apprécié la Corée, ou en Corée. Ah, Yangam, oui. Bon, à Yangam, ouais. Le truc, c'est qu'ils étaient dans un bled paumé au milieu de nulle part, alors que soi-disant, ouh, il devait y avoir une vie et plein de trucs. Ouais. Ah, Tony, une touchette avec Jean-Baptiste Charles. Ouais, Jean-Baptiste Charles, qui était à ses côtés. On le voit ici. Et là... Ah oui. Petite incompréhension sur le frein. Et un énorme blocage de Vincent Tomasina dans le terrain aussi. Ah. Qui était en temps bataille avec Michael K2, il me semble. Quoi, on va revoir ça. Ah oui, oui. Ah oui, effectivement, oui. Elle est un peu trop tardif. Allez, faut oh, bien, oui. Oula, oula, oula. Là. Fou, fou, fou. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien anticiper le virage avec ces clubs. Vu qu'elles ont c'est très ça. Peu de freins, il faut vraiment bien anticiper. Quand on arrive trop vite, malheureusement, avec ces voitures, ben... On en paye les conséquences immédiatement, hein. Ça c'est... Ah oui, c'est clair. C'est assez évident. Et Guillaume Pelletier se rapproche de Julien Aufray. Bataille ah, oui. En perspective pour la seconde deuxième place. Position, oui, voilà. Oui. Oui. Que devant Tony Pussard, à 11 secondes 6 d'avance. Bon, je pense que on n'est pas à mon avis voilà. Prêt de vous le remontrer malheureusement parce que nous c'est focus sur les batailles, sur la partie intéressante de la course, hein, sans faire un jour offense à Tony, hein, bien évidemment, je précise. Mais voilà, hein, on préfère voir quand il y a de l'action, de la bagarre, plutôt que quand on est seul sur la piste, un peu à la Max Verstappen, hein, on va dire ainsi, on se fait chier devant là, littéralement. Là, Tony doit se sentir un peu seul. Il doit se sentir un peu seul, je pense. Aujourd'hui, il doit se sentir après, après, pour info, c'est pas lui qui roule le plus vite en piste encore. C'est. Il y a. Enfin, quoi que là, soit le dernier tour, si c'est lui qui a roulé le plus vite en piste, mais sur le tour d'avant, il y avait Cyril Nosebaum et Guillaume Lévon qui étaient plus rapides que lui, il me semble. Mais c'est pas. Il a un gros rythme, mais c'est pas non plus. Il s'est mis à distance, en fait. Il s'est juste mis à distance et là, voilà, il c'est ça. Je crois que là, il profite tranquillement de rouler. Sans prendre de risque. Voilà. Vu les secondes que j'ai, il dit je suis tranquille. Maintenant, c'est aux autres derrière d'attaquer. Et voilà. C'est eux qui prennent le plus de risques, en fait. C'est ceux qui sont derrière. Donc, lui, il est vraiment assis confortablement à la première place et il peut dérouler tranquille. Et comme dit David Guémardias, c'est ça. Hein, c'est la bonne note. Hein, il s'ennuie peut-être devant Tony, mais il assure sa place en playoff. C'est ça. Ah bah là, de toute ça, façon, oui, voilà. Alors qu'on a William Godot, Nicolas Ciappara dans les stands. Changement des pneus qui est en train de se faire. Côté droit. À la mi-course. Côté gauche, ouais. On arrive à la mi-course, ouais, tout doucement. Alors, est-ce que changement des pneus est vraiment bien? Je suis pas sûr, en vrai. Est-ce que... Ouais. Est-ce que j'ai parlé avant la course avec les équipiers de la 7 du coup bah, c'est un peu comme sur tant qu'ils n'auront pas changé les pneus, on aura toujours les pneus qui vont tenir pendant quasiment toute la course sans avoir de soucis. Ouais, c'est ça. Donc ça m'étonne que ça soit une bonne idée. Mais bon. Surtout que là, du coup, c'est Nicolas Ciappara, c'est ça qui te sent. Ouais, c'est Nicolas Ciappara ou Hugo Godot dans ce cas-ci. C'est ça. Mais Nicolas, il a patiné déjà en sortie du premier virage. Du coup, il a déjà flingué un petit peu ses pneus pour le coup. Donc bon. C'est pas surtout évident. Surtout que les pneus sont froids, donc... C'est ça. Et faire remonter les pneus en température, plus... Plus ouais. Ensuite... ouais, c'est pas évident. Bon, ça va sur Kota, il monte quand même relativement assez vite en température, donc de ce côté-là, ça va, quoi, mais bon, c'est... Ouais, bah, en tout cas, surveillons, hein, dans la suite de cette course. On en arrive à la moitié, bataille entre Maxime Herbert et Michael Cado, hein, qui étaient anciennement équipiers tous deux de la Optimates. Alors, bon, il reste, entre guillemets, équipier dans le giron de la NC Racing,
mais chacun roule dans sa propre structure. L'un à la Optimate, c'est Michael Cado. L'autre à la 99ers Racing, c'est Maxime Herbert. Donc, faut bien aussi faire la part des choses, en tout cas par rapport au classement équipe. Et la plus grosse remontée pour l'instant, on nous demande, c'est Jean-Baptiste Charles qui a gagné 17 places depuis le départ. Il est 18e. C'est ça. Bah après, Michael Cado, oui, il y a eu sa sortie au premier tour, mais par rapport, là, on parle de remontée par rapport à la position sur la grille, dans tous les cas. Nicole Dubernostan. Et pour la plus grosse descente, je pense que c'est Milan Kumayo qui est parti 12e et qui est 30e actuellement. Ouais. Après, il s'est peut-être arrêté au stand. Il y a 5 tours. Donc ouais, bon, après, pour l'instant, ça va rien dire, du coup, ce que j'ai dit. Laissez tomber. Allez-y, marchez. Oh, attention, avec Vincent Biodal ici, la sortie de stand de Nicolas Dubéarn. Et Milan qui a changé que deux pneumatiques de son côté, puisqu'il a passé exactement 8 secondes 6 dans le box. Après, c'est possible qu'il ait fait juste un gaz and go aussi. Apparemment, il aurait changé de pneu. On nous dit, Cédric Fincinq aussi qui est passé par les stands. Ok, un peu bizarre d'avoir changé que deux pneus. Après, peut-être. Peut-être je ne sais pas si les pneus à gauche usent beaucoup. Ok. Peut-être un plat sur un freinage, peut-être aussi. Ça peut arriver aussi. Ouais. Ah, c'est possible. Ouais, c'est vrai qu'il change les pneus de gauche, du coup. Bon. La question reste posée et ouverte, là, pour le coup. C'était sa strafe de départ, ok, donc. Ok. Pour le moment aussi, on voit Lucas Jeanbrun qui fait une course assez plutôt réservée en 14e position, mais qui pour le moment est bon, il est là, pas d'incident, il roule tranquille, il fait sa course. C'est une bonne chose de récupérer quelques points, même si on sait que c'est sa dernière course. Malheureusement, mais on lui souhaite bon vent et une longue vie dans sa vie professionnelle. On ne sait jamais que tu le croiserais lorsque tu viendras entrer en Alsace. Je vous le garantis, le jour où je le croise, dans la minute même, ça va se savoir sur tous les réseaux sociaux. Et peut-être même aussi sur notre Instagram, qui sait. Allez, si ça absolument. Mais là, c'est. En vidéo, story, vu qu'on partage énormément sur les stories Insta, c'est ton sens. Il va être affiché, le petit. En tout cas, vous n'hésitez pas, vous continuez de nous suivre sur les réseaux de la Motors, bien sûr, Facebook, Instagram. Bien sûr, toute l'actu en temps réel, donc voilà, Instagram dont je parlais. Énormément de partages qu'on vous fait en story ces derniers temps, de comptes, des actus parfois de Sim Racing, des comptes partenaires de la chaîne aussi, plus de nombreux comptes d'amis motards avec qui on s'est lié de sympathie avec le temps à travers les réseaux sociaux. Twitch pour suivre les lives aussi de la chaîne, bien sûr, et YouTube pour retrouver tous les replays. Et en parlant de moto, on rappelle aussi une cagnotte que la chaîne met en place pour, si le cœur vous en dit, sans obligation encore une fois, le Can-Am Project, donc voilà, l'acquisition d'un nouveau véhicule donc qui sera utilisé pour le coup pour des programmes pour la chaîne et qui sera aussi utilisé de manière quotidienne, bien sûr, donc voilà, un Can-Am Riker en l'occurrence. Donc si vous souhaitez contribuer à cela, à ce projet, et de futurs programmes donc qui vous sera proposé sur YouTube. Et qui sera aussi, je vous le donne en mille, le premier programme en 4K Ultra HD de la chaîne aussi, d'ailleurs. Rendez-vous pour cela sur le lien que je vous place à l'instant sur le chat. Voilà, si le cœur vous en dit, encore une fois, c'est nullement obligatoire. On en revient à Julien Auffray et Guillaume Pelletier. Ouais, ça fait toujours bataille. Par contre, du coup, c'est Ciel qui revient. Eh oui, ça revient. Parce que Ciel, il tourne dernier tour en 2.12.89. Ouais. Et devant, ça roule en 2.13.7, 2.13.9. Donc. Quasiment une seconde de repris. Quasiment une seconde de repris. Comparé à Julien Auffray, alors que devant, Tony Ropussa est en 2.12.8. Hein. Donc lui, par contre, de son côté, ça roule vite. J'ai l'impression que Guillaume est plus à l'aise sur les deux premiers secteurs. Après, je pense que la suite est plus à l'avantage de Julien, j'ai l'impression. Entre au stand pour Julien Lavoine pendant ce temps-là. Lucas Jeanvrain aussi est au stand. Lucas Jeanvrain aussi, ouais. Et Jacques Récan.
Ainsi que Jean-Baptiste Charles, le 39. Et on voit que les pilotes ne changent pas depuis quasiment. Il n'y a pas beaucoup qui changent. Alors, je disais Julien Lavoine, non, c'est pas Julien Lavoine, hein, il n'est pas au stand hein, de son côté. Non. Erreur de ma part. J'ai sauté une ligne. Voilà, comme on dit. Jean-Baptiste Charles qui a changé deux pneus du coup sur son arrêt. Ouais. Là, c'est un arrêt à 15 secondes hein, quand même. Donc bon, malgré tout, ça aurait été long. Alors, du coup, il a peut-être changé les 4 alors, ça se trouve, c'est. Regardez. J'ai vu la voiture se lever sur un côté, mais j'ai peut-être pas vu l'autre côté. Jean-Philippe Chrétien, lui, par contre, ça serait peut-être du pneu. Ouais. Hein. Non, 4 pneus. Ah oui, Jean-Philippe Chrétien, ouais. Ouais. Puisqu'on est à 8 secondes. Et du coup, ouais. Ouais. Et pour Jean-Baptiste, du coup, c'était bien 4 pneus. Bon, ben voilà. Confirmation ainsi donnée. Bon, ben, on continue de garder un œil sur cette bataille, mais ben, bien sûr, on va en profiter pour faire notre première interruption pub dans cette épreuve de quota. Et puis, ben, vous allez continuer de suivre cela via la double fenêtre, bien sûr. Vous restez avec nous, et puis ben, nous, on vous revient pour la suite de cette course. A tout de suite!
retour, toujours en direct, toujours sur Benjix Motors pour les 10 derniers tours de ce Gunnar 165 sur le Circuit of the Americas à Austin. Et vous le voyez, duel en cours pour la deuxième et troisième position entre Julien Offray et Céline Nussbaum, puisque Guillaume Pelletier est repassé par la voie des stands durant l'interruption pub. Vous avez peut-être pu l'observer hein, durant cette pause avec la double fenêtre. Tout comme on a observé aussi autre chose, c'était pour Johan Margot il y a quelques instants d'ici. Il y a eu une petite touchette, un petit contact ici, avec notamment bah, Cédric Finsac, là, à la sortie du dernier virage. Ah oui. Mmh. Petite réaccélération peut-être un peu trop forte pour Johan. Et du coup, ben voilà, regardez le résultat. Boing, voilà. Ça a été ce, ah, c'est vrai, c'est vrai qu'il peut absolument rien faire. Hein. Ouais. Voilà, la voiture qui arrive sur lui, il peut, ouais. Il peut pas faire bon. Là. Alors, il y a quelques instants d'ici, Paul Mazière, il y a quelques secondes. Voyons, qu'est-ce qui lui est arrivé. Ouh, petit, ouais, là, petit spin. Ouais. Petite attaque. Petit 360. Tac. Ça va, il a pu repartir. Vincent Tomasina, dans les instants qui ont suivi. Ça, c'était au moment du retour pub. Alors, OT1. Ouh, là, avec Mickaël Cadeau. C'était Mickaël Cadeau en sortant des stands. Sortie de stand de Mickaël Cadeau et la perte de contrôle. Ah, du coup, Vincent qui ne peut rien faire. Oui. Il est arrivé trop vite. Oh, ouais. Par contre, oui. Ouais, Mickaël. Qui a failli se faire décapité aussi, là, pour le coup. Il est sorti très, très vite des pits, et malheureusement. Ouais. En sachant que tu as des gants froids, c'est pas la plus belle des manières avec la cup, quoi. Il rentre au stand pour le leader Tony Repussard, mais pas encore ni pour Julien Offray, ni pour Cyril Nussbaum, par contre. Alors, est-ce que ça va tenter le coup d'aller jusqu'au bout pour certains? Je pense pas parce qu'il n'y a pas assez. Enfin, ok, je sais pas combien on peut tenir avec la cup. En truck et en access, on pouvait tenir 20. Mais pas de changement de. Il n'y a pas de changement de pneu pour Tony. Hein. C'est juste un refuel. Hein. Un refueling. Ouais. Okay. On nous dit que ça va pas au bout. 22, c'est 22 tours. Ben, on est au 22e tour. Donc maintenant, ben, ça devrait être le tour. Entre guillemets, le tour critique. Pour les tours qui restent, vu la largesse de temps qu'il a par rapport au deuxième, je pense qu'il peut largement gérer devant. Donc, même si s'ils reprennent une seconde à chaque fois, ça va être compliqué maintenant pour eux d'aller le rechercher. Donc, et là, surtout qu'il est ressorti, il est juste ressorti derrière eux. Donc, en vrai, il n'y a personne qui bloque à part eux deux. Donc, apparemment, ça va pas pousser jusqu'à 24, d'après les infos de. On nous donne sur le chat et issu des pilotes là aussi pour le coup. Donc on va voir. De toute façon, ces prochaines minutes qui vont être déterminantes pour savoir qui a raison sur le coup. Bien entendu. Ah ouais, si c'était retrouvé derrière Frédéric Trins ou Guillaume Hénault, Maxime Herbert, ça aurait été un peu problématique parce qu'il aurait dû les dépasser, mais là vu qu'il est tombé juste derrière. Derrière Cyril et Julien, bah en vrai, bah là il n'y a rien qui peut l'arrêter, hein. Il peut repartir comme avant et rouler tranquille. Hein. Il sait que. Oui, c'est un peu ça l'idée en effet. C'est ça. Il sait que devant ils vont devoir s'arrêter un moment ou un autre, normalement. Mais ça s'arrête pour Julien. Voilà, ça s'arrête pour Julien Offray et pour Cénusbo en même temps. Une bonne opération encore pour Tony, quoi. Donc. Ah bah là, de toute façon, oui, c'est. Et maintenant, faut voir si Guillaume Pelletier va le remplacer devant. Il est au niveau du triple droite. Hein. Là, ici, il arrive à l'avant-dernier virage. Tony Repussard passe déjà dans la ligne droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait et pour Julien et pour Cyril? Changement de pneu pour Cyril, mais pas pour Julien Offray. Julien Offray qui repart déjà. Et Cyril qui change les 4 pneus. Frédéric Trins aussi qui s'arrête juste devant. Guillaume Pelletier qui a perdu un peu de temps, enfin qui repasse devant. Qui repasse devant Cyril et Guillaume Blémont aussi, du coup. Ouais. Une bonne opération pour Tony, hein, qui prend 14 secondes d'avance sur Julien Offray. Donc, Et l'arrêt de face qui ferait carton plein au niveau point, donc pour le championnat des équipes aussi, ça va changer la donne également. Une très très bonne stratégie ce soir. Et Guillaume Pelletier qui se retrouve un peu loin hein, du coup de 3 secondes de Julien Offray. Ouais, il était juste derrière lui avant le pit.
Ah, il est un peu distancé. En plus, il a changé. Non, il a pas changé de pneu. Non, ils ont pas changé de pneu les deux. Donc. Pendant ce temps-là, Paul Mazière, Joël Guez, Eric Slipzak et également au stand Ben Holzer. C'est pour Martin face à David Paul pendant ce temps-là pour le gain de la 19e position maintenant avec les arrêts au stand, ça se remet à jour. Le 18e, non, la 17e, voilà. Attention avec la sortie de stand pour Paul Mazière ici. Voilà, c'est. Ouais, c'est chassé croisé là ici un tout petit peu, on va dire. Ça va. C'est le passage du péage avec les. Avec les petites voitures sur les petites voitures qu'il y a sur la droite et les grosses berlines qui sont sur la gauche. Voilà. Et celles qui passent par le télépéage, hein, j'en sais quelque chose. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Avec le fameux badge. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Qu'il soit de la PRR, de Vinci Autoroute ou de la SANEF, hein, voilà, ça dépend après, de votre localisation. On a Arnaud Gorge qui est entre stand pour faire son arrêt. Ouais, Arnaud Gorge, ouais. En effet, voisin Mosellan pour le coup. Oh, et Vincent Biodel. Ouais. Petite excursion hors piste. Qu'est-ce qui s'est passé pour Vincent Biodel? Ouh, ah oui, là, avec le petit boudin jaune là. Qui a, c'était un peu. Bah, on est au Texas, c'était un peu rodeo time là pour Vincent Biodel. Ouais, surtout que les boudins, ils sont, on va dire, très très violents, parce qu'en vrai, on a directement la roue qui monte, qui prend 10-20 cm en l'air, enfin, qui monte à 10-20 cm en l'air, en vrai, c'est surprenant, et puis on peut rien faire, hein. Quand le train avant est en l'air, on peut pas tourner. Alors, freiner avec un peu de chance, ça peut marcher, mais en vrai, pour essayer de recoller le plus rapidement la piste, mais en vrai, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas simple. Philippe Rimbaud ici face à Maxime Herbert et puis Vincent Tomasina juste derrière. Du côté de l'Occitanie Racing, ben voilà, avec un pilote qui est dans le top 20. Il n'y a plus que deux pilotes qui doivent encore s'arrêter au stand. C'est le cas de David Paul qui ne s'est pas arrêté et Dylan Fetti également. Et Samy Bourrier et Fred Atmeyer étant les deux seuls abandons de cette course. Pour information, là aussi. Ah, c'est une course qui est calme, mais qui est bien, où il y a beaucoup de batailles, c'est ça qui est cool en vrai. Ouais, un c'est... peu quoi, ouais, quand même, mine de rien. Parce que c'est vrai qu'en général, les routiers, c'est pas non plus des courses qui sont très. Surtout à Kota, surtout. Voilà. Surtout à Kota, c'est pas des courses très passionnantes. J'oserais dire qu'en NASCAR, le quota d'ennui est plus élevé par ici, hein, on va dire. Quoi, mais... ouais. C'est ça. Enfin, sauf quand on doit aller en overtime en fin de course. Mais bon, ça après. Ah oui, ça, les 3 overtime là. 3 overtime sur un circuit routier, ça j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Ça, non. Ah si, il y en a déjà eu. Oui, sur le Roval de Charles Paul aussi. Oui, mais. En vrai routier, ouais. Oui, voilà, oui, voilà. Entendons-nous bien sur le terme de routier tel que je l'entendais. Après, je pense que ça va être la nouvelle norme hein, cette année, les overtime en NASCAR. Ah, c'est vrai qu'il y en a quand même déjà eu quelques-uns depuis le début de saison de la Cup réelle, en tout cas. Donc, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire, hein, cela dit. Petit truc qui était sympa quand même, c'est le fait qu'il n'y ait plus de drapeau jaune pour les routiers. Oui, à la fin des segments. Oui, ça, c'est vrai que. Ouais, et ça, beaucoup de personnes m'ont dit, c'est vraiment sympa parce que du coup, bah. Sur certains circuits, ça ne sert pas non plus à grand chose. Bon, par exemple, bon, Kota, en plus, ça fait que pendant 10 minutes, bon, tu peux passer des tubes. Mais... Ah, bah là, oui, la Fox, ils font carton plein au niveau financier. Hein. Au niveau revenu publicitaire, là, oui, ils sont de l'or en barre. Hein. Ah, bah là, Kota, 10-15 minutes de pub gratos, ils sont plaisir. Mais c'est vrai que là, bah, du coup, maintenant, il n'y a plus ça. Et ça rend la course un peu plus dynamique. En vrai, c'est mieux. C'est une bonne idée qu'ils ont eue pour les routiers en vrai. Ouais. C'est pas faux, effectivement. Donc un choix plutôt intéressant, en effet, que d'avoir retiré ces drapeaux jaunes de fin de segment pour les routiers exclusivement. Hein, on rappelle, ce sera pas comme ça tout au long de la saison. Alors qu'il est passé, Philippe Rimbaud, sur Maxime Herbert pour le gain de la 8e position. Et Guillaume Pelletier n'arrive pas à recoller. Hein. Et après,
Il a même perdu du temps et Guillaume Blémont qui remonte dessus. Hein. Guillaume Blémont, actuel quatrième de cette épreuve, le pilote belge. Mickaël Cazot aussi qui repointe le bouclier vers ce quatuor là ici, enfin ce trio qui devait devenir un quatuor donc. Oula, et oh Maxime Herbert, il est là. Oula. Mais... Ah bah ouais, Maxime Herbert là qui est parti, parti un peu dans la pampa là ici. Ah il est parti chargé dans le gazon. Il veut faire bien, il veut attaquer, mais malheureusement. Oui, là ça freine pas du tout, là dans ce cas-là, ça freine pas du tout, du tout. Ouais. Bizarre quand même, parce qu'il y a quand même moyen de bien freiner à cet endroit-là, même en freinant mais... tard. Oui, mais bon. Quand on est sur l'Astroturf, ça passe pas. Alors, Astroturf, on rappelle, c'est cette bande de gazon qu'on a entre le vibreur et les dégagements en asphalte. On va dire ainsi. Ah, non, mais oui, il freine tellement tard, parce que oui. Ah, mais là, oui, je pense que. Ouais. Il a freiné, je vais regarder à peu près à partir d'où il a freiné, mais... Alors, connaissant un tout petit peu les membres de la 99er, je pense qu'il y en a un qui s'appelle Paul Mazière, il verrait cela, à mon avis, il n'hésiterait pas à faire quelques réflexions et envers Maxime Herbert, hein, là, très certainement. Et comment ça se passe entre les équipiers. C'est vrai, ça. Ah, c'est une ambiance assez atypique, hein, là aussi, faut-il le dire. Ah, c'est une ambiance très, très... Ça, c'est sérieux sur la piste, mais en dehors, alors là, le sérieux, c'est une notion tout à fait, on va dire... bon, voilà, hein. Alors que pour l'instant, Vincent Biodel, qui est parti à la faute. Il a peut-être surchauffé les pneus, peut-être, faut voir. C'est le seul souci, hein, Ah, oui. Ouh, et il a été tapé un peu. Au moins, le mur l'a un peu bloqué. Hein. Il a pas reculé sur 30 km avec cette magnifique piste du gazon qui fait que dès qu'on roule dessus, c'est pas du gazon, hein. C'est limite de la glace. Hein. Alors que là, voilà, Mickaël Cazot, Vincent Tomasina pour la 9e position. Oui, ah oui. Ça passe pour Mickaël Cazot. Et ça le confirme. À l'instant. Il va partir Mickaël Cazot à l'attaque de Philippe Ringoux dans pas longtemps. Il y a des chances, effectivement. Il n'est pas très loin devant. Alors qu'il reste 4 tours pour le leader qui est Tony Repussard. Donc, même pas à 10 minutes, cette course sera terminée. Voilà, on rappelle, hein, sur les circuits routiers, on fait beaucoup moins de tours que sur Oval. Et les courses se terminent beaucoup plus vite aussi. Sur les ovales. Mais cependant, c'est pas aussi évident qu'un ovale, parce que le gros souci, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Du coup, il n'y a pas de temps mort, et en vrai, mentalement, faut tenir. Petite heure et demie de course, il faut la tenir. Ouais, quand même, ouais. C'est une endurance, avec en plus de ça, la difficulté du véhicule qui n'aide pas forcément. C'est ça. On pourrait dire cela comme ça. Oui, Philippe. C'est une habitude à prendre. Hein. C'est pas évident du tout pour ceux qui ne font pas du routier en général. Donc voilà, parce que là, bon, quand on a un circuit comme celui-ci, il faut connaître bien la voiture, il faut connaître bien le circuit. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu par rapport à un ovale où là, tu sais que c'est tu tournes toujours du toujours à gauche, tu sais qu'il faut jouer avec l'accélérateur et décélérer, tu sais qu'il faut que tu fasses attention à tes pneus, alors que sur un routier, il y a tout à prendre en compte encore plus. Donc c'est beaucoup plus délicat. C'est ça. On va retourner Mickaël Cazot. 1/10 de retard sur Philippe Rimbaud pour l'instant. C'était la seule bataille possible en tête. Peut-être Cyril Nussbaum, Guillaume Blémont aussi. Hein. On a une seconde d'écart entre les deux. Ça revient pour Cyril, 5 dixièmes au tour plus vite au tour précédent. Donc ça peut là aussi recoller possiblement pour le champion titre de cette série Cup, évidemment. Et qui va arrêter sa série de victoires, forcément.
Oui, ah bah ouais. Oui. Bah. Mais bon, là, il fait une belle position, il sauvegarde ses points, et il la joue safe ce soir. Bah, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, voilà. Après, ce qu'il faut faire de toute façon sur ce genre de circuit, donc voilà. Et il y a Lucas hein, qui est remonté sur Maxime et Imper, hein. Ils sont dans la seconde. Oh, Julien Onfray, Julien Onfray, qui a perdu le contrôle. Oh. Perte de contrôle pour Julien Onfray qui est coincé en plus de ça. Et ça permet aux deux Guillaume de se battre. Ouh, du coup. Ouh là 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 là. Eh oui, parce que Guillaume Blémont était. Il y avait de l'écart par rapport à Guillaume Pelletier. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour Julien Onfray? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Oui, il s'est fait taper par. Bah non, il était au ralenti. Ah oui, il s'est fait percuter, donc il y a peut-être un autre souci en fait. Non, il est reparti, non. Non, il est toujours... Regardez, il était comme au ralenti, puis il s'arrête d'un coup, oui, Guillaume Pelletier qui pouvait pas aller... Enfin, pouvait difficilement l'éviter là. Et Julien Onfray, voilà, il vient de repartir. Il repart seulement maintenant, Julien Onfray. Donc peut-être un autre souci matériel. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est en train de soucis matériels. Ce serait pas étonnant qu'il en ait eu un de plus aujourd'hui. Ah, c'était ça, par contre. Ouais. Ah oui, là c'est série noire qui s'enchaîne. Hein. Et du coup, il y a Cyril Nozon qui est revenu sur Guillaume Pelletier et Guillaume Blémont, du coup. Ah oui, parce que Guillaume Pelletier en ayant percuté, du coup, la voiture... Il n'y a pas trop de dégâts. Il n'y a pas trop de dégâts, ouais. Non, bien sûr, mais bon, quand même, il a perdu du temps, quoi. Voilà, c'est... Ah oui. Bah, les deux Guillaume ont perdu du temps, hein, sur Cyril, parce que sur le dernier tour, il est revenu de 2 secondes quasiment sur eux. Hein. Ouais, c'est ça, donc... Ça joue, hein, ça a son influence, forcément. Mmh. En tout cas, ça va nous donner une fin de course intéressante dans ce trio-là, ça c'est sûr. Mmh. Donc, bien sûr, affaire à suivre plus que jamais, encore. N'hésitez pas. Alors, je vais regarder un petit peu les pronostics qui ont été faits hein, pour le vainqueur. Oui, on a 99% des voix pour Tony Oppussard et 1% pour un autre pilote qui n'était pas dans le top 10 au moment où le pronostic a été lancé. Donc, ni Julien Onfray, ni Guillaume Pelletier, ni Cyril Nozon, ni Guillaume Blémont, ni Frédéric Grasse, ni Maxime Herbert, ni Vincent Thomasina, ni Guillaume Hénault. Je pense qu'il y a peut-être eu pour. Non, il y a 2 personnes qui ont voté autre pilote. Voilà. Bon. Et ben, on va se battre pour. Pas beaucoup de points. Je pense qu'il y en a un qui a quand même voté Lucas Jeanbrun. Ouais, dans un élan de désespoir, peut-être, je sais pas. Mais ben, n'empêche qu'il fait une belle course, puisqu'il est 11e, hein, attention. Il est 11e, une course discrète, mais. On sent un peu champ du cygne avec cette dernière course qu'il fait dans cette série, pour le coup, puisqu'il a annoncé, hein, voilà, ça sera sa dernière pour la saison et peut-être même pour. Avant un bon moment, sans doute aussi, eu égard à son. Ses activités professionnelles. Oh, Paul Mazière! À nouveau, même endroit en tête à queue. Au même endroit que tout à l'heure. Hein. Exactement le même virage. Ouais, les pneus peut-être qui sont un peu surchauffés. Puis l'accélérateur. Ah ouais, l'accélération ici est un peu compliqué. Passage en première, des fois. Je sais pas s'il descend de la première ou il reste en deuxième. Mais elle est pas évidente. Hein. La petite sortie du stadium est vraiment pas évidente en vrai. Ah non, c'est clair. C'est pas fait pour aider, alors qu'on salue Guillaume Blancard sur le chat, Glax 27, 2700, je l'avais pas salué aussi, voilà. On en profite pour le faire, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub, mesdames et messieurs, je vous rappelle les subs gratuits pour ceux qui en prime, ou 3,95€ pour les autres pour avoir badge d'abonné, emoji exclusif, retransmission sans coupure pub, et Julien Onfray, une nouvelle fois immobilisé, à nouveau arrêté, Julien Onfray. Ouais, il y a un problème. Il y a un vrai problème, là. Il repart. Non mais c'est quand même pas normal, hein. C'est pas normal qu'ils doivent à chaque fois faire ces arrêts et relancer carrément le matériel, je pense, parce que moi je ne vois que ça. Je ne vois que ça comme possibilité parce que il n'y a pas d'autres explications probables. Là sur le moment, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en tout cas. Donc, C'est vrai que ouais, en plus il y avait déjà eu des problèmes la semaine dernière, il y a 2 semaines aussi. La semaine dernière, il y avait carrément. C'était pas des freins qui. Si, mais c'est son pédalier apparemment, c'est vraiment le pédalier qui pose problème pour Julien Onfray. Alors qu'on est rentré dans le dernier tour. Ouais, et Lucas qui veut essayer de chercher Maxime Herbert pour la 10e place aussi.
Debout, qui finissent dans le top 10. Ouais, ça peut être très très beau pour lui, très clairement. Ça ferait une belle, un beau final pour, ouais, pour lui. Une belle fin d'histoire, effectivement, pour lui, dans cette histoire avec la NASCAR et l'IFRN, en l'occurrence, pour Lucas Jeanvrin. Parce que malheureusement, mais bon, un mal pour un bien, je veux ouais, dire. Voilà, c'est ça, voilà. Ah, et Guillaume Blanquer qui disait Cédric, tu cherchais pas un pédalier pas cher, et ben voilà. Non, non, si. Si, mais à mon avis, peut-être pas celui de Julien Offray, à mon avis. Hein. Pour le coup, non. Alors, faut que je fasse un petit nettoyage dans le pédalier, normalement, ça va aller. Faut que je regarde. D'accord. Bon, c'est déjà ça, on va dire. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vrai que Guillaume Blanca, il est pas là ce soir. Bah non. Eh non, bah non, il est sur le chat du coup. Bah oui, c'est ça. Bah non, il nous dit bah oui. Ça, merci Captain Obvious là pour le coup. Oui, mais c'est vrai que je me posais la question. Je me suis dit, mais il me manquait pas un pilote. Il est où celui-ci ? Eh bah il est là, voilà, ça bosse jusqu'à 21h30. Voilà. Ouais, donc voilà. Il y en a qui travaillent jusqu'à parfois bien plus tard, ou parfois même dans les soirées, les nuits. Hein, c'est... Ah bah paraît. Je connais rien. À ce qui paraît. Ouais. Hein. Oh là, attention, ouais, oula, l'avoine là, ouais, c'était chaud. Là, 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 4 ici, attention. Oh, ça se touche, et Julien Lavoine. Alors, il y a marche arrière, Julien Lavoine. Ouais, pendant ce temps-là, on revient vite sur la fin de course parce que là, il y a d'abord l'arrivée quand même pour Tony Repussard qui s'impose ici au circuit des Amériques à Cota. La victoire donc pour Tony Repussard pour la Red Felix Racing. À la deuxième place, nous retrouverons Guillaume Blémont pour la 7 Racing Team, le pilote belge qui va finir en deuxième position. Troisième place pour Guillaume Pelletier, donc un doublé cette Racing Team, deuxième, troisième. Quatrième place pour Cyril Nussbaum pour la 99ers. Frédéric Trince ensuite pour la Wildcats Racing terminera lui cinquième. La sixième place va ensuite revenir à Guillaume Hénault pour le compte de la Frascar eSport. Suivi par Mickaël Cadeau pour la Optimates. Philippe Rimbaud pour l'Occitanie Racing 8ème. 9ème place pour Vincent Tomazina pour la RVR. Maxime Herbert, 10ème pour le compte de la 99ers Racing. Et puis pour sa dernière, Lucas Jeanvrin pour la RVR eSport qui terminera 11ème aux portes du top 10. Mais il aura été jusqu'au bout. Jacques Récan pour la Red Face Racing, 12ème. 13ème place pour Charles Collignon ensuite. La 14ème pour Nicolas Duberne pour la Kraken Racing. C'est bien parce qu'on a le temps de voir les voitures aujourd'hui. William Bouton ensuite, son équipier. 15ème. 16ème place pour Jean-Baptiste Charles pour l'Optimate Racing. Devant Milan Kumayo pour la Frascar eSport. Florian Martin pour la RVR eSport, 18ème. 19ème place pour Julien Offray pour la Red Face Racing. Paul Mazière pour la 99ers, 20ème. 21ème place pour Nicolas Siapara pour la Turneft Motors. Voilà, Joël Guez ensuite 22ème pour la Red Face Racing, enfin non, qui est Wildcard plutôt. Benoît Holzer ensuite pour la Wildcats, 23ème. La 24ème place ensuite pour Septalagrand pour l'Occitanie Racing. Jean-Philippe Chrétien, ensuite 25ème pour la Red Face. Mathieu Leslie pour la SBG Motorhead Racing, 26ème. 27ème place pour Julien Lavoine pour la Optimates. La 28ème pour la voiture de Cédric Fassac, Turner Motors. L'Occitanie Racing de Johan Margot ensuite, 29ème. 30ème place pour David Paul pour la Frascar. Puis Antoine Marc, Vincent Biodel, Arnaud Gorge, Dylan Fetti, Eric Kripzak. Et puis les pilotes qui ont abandonné. Du coup, ensuite. Et ben voilà pour cette course du quota. Elle aurait été vite, hein, mais ouais, elle aurait été clean comme il faut. Avec quelques petits donuts, peut-être là. Ouais, je pense qu'il attendait que tout le monde passe la ligne pour en faire. Voilà. Parce que, à savoir, hein, c'est que tant que le dernier pilote n'a pas passé la ligne, s'il fait un donut, c'est des points qui sautent sur la licence. Hein. Ah oui. C'est un truc à savoir. C'est effectivement intéressant de le savoir. C'est bien fait de le préciser pour le coup, peut-être même pour nos abonnés qui auraient peut-être pas eu la connaissance de ce point de règlement assez important aussi. Et vu que en plus ce circuit est très long, bah du coup
Des fois, ouais, 2 minutes à attendre pour faire des notes, c'est un peu long, mais bon, après, au moins, on peut se faire plaisir, quoi. Eh oui, mais bon. C'est comme ça, c'est les règlements, même si Guillaume Blanquer sur le chat se dit rien à secouer des incidents quand t'as gagné. Oui, mais c'est pas les incidents, là, c'est la boîte de D'accord. la licence IFRN, on parle là. Et C'est pas pareil. oui, c'est ça. C'est pas pareil. Allez, Lucas Jeanvrain, bah voilà, qui va faire pareil, oui, pour sa dernière, voilà. C'est beau. Bravo à lui parce qu'il a fait une très Ouais, très très belle belle course course. discrète. Sans ring, je pense. Enfin, si, il en a peut-être un ou deux. Il en a 7 au total. Ça, bon, ça va encore, cette. Mais bon, il a fait une belle course assez bien. Et puis, il l'a fini et en très bonne position. Donc, c'est bien à lui et on lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Ouais. C'est effectivement tout ce qu'on peut lui souhaiter en effet, c'est que bah, voilà, il s'épanouisse dans sa vie professionnelle. C'est bah, c'est une page qui se tourne, hein, tout Oui. simplement. Ah Hein, bah donc, clairement, hein. Clairement, clairement. il va nous manquer, c'est vrai, hein, parce que C'est bon, vrai. voilà. Il va ouais, notre petit suricate va nous manquer. Ah bah là, Énormément, mais oui. bon. On le reverra de temps en Oui, temps, ça c'est sûr. voilà, ça, Oui, il bien sûr. n'y a pas à douter que voilà, il refera quelques apparitions ça et là quand son emploi du temps le lui permettra. Mais forcément, bah, priorité à la vie réelle, hein, c'est un petit peu normal. Et j'en sais un petit peu quelque chose aussi, même si bon, hein, on n'est pas à l'arrêt de la chaîne, enfin la chaîne est toujours en cours, Ouais, hein, je voilà, dis tout de suite, mais ça, oui, mais et ça c'est beau, et ça c'est beau, l'image avec avec la Vincent, avec Vincent. avec Vincent. Bah oui. Il y a Florian qui est pas très loin non plus. Je veux dire Ouais. aussi, c'est pas le même travail aussi qu'il fait que, comme toi aussi, notre ami Non, bien Lucas. sûr, bien Donc, sûr. c'est clair que les heures, il va en avoir beaucoup et c'est vrai que ça va être difficile pour lui de le retrouver, mais on On va espère le la retrouver assez péter. On vite. va la péter, il va dire Lucas. Ouais. Ils veulent péter la voiture, visiblement. Bon, bah écoutez, voilà. C'est comme la bouteille pour un bateau. Hein. Là, On fait c'est péter ça, la ouais, voilà. bouteille. Allez, regardez. Regardez. Oh là là, oh là là, oh là Florian, là. oh là Attention. Oh là, oh là là, c'est là. Eh ben oui, beau, bah voilà. Eh ben oui. oui, et ben voilà. Et pour la dernière, il en fallait une, Ah hein, bah ben bien sûr, voilà. bah attendez, bah oui, c'était obligé. Bon là par contre, là la roue elle est pliée, c'est terminé. Là, Et Lucas qui dit, on va la péter. Ben Ah oui, bah oui. il l'a pété, oui. Voilà. Ah oui. Donc Allez. vous savez quoi, même là pour le coup, pour la petite anecdote, l'extrait va être dans la séquence du générique de fin. Tiens, voilà, en guise de clin d'œil, voilà, René me dit, on l'intègre dans le générique de fin. Il faut Mais le avouer moteur est en vie, oui, c'est vrai ça. que. Ah, ils sont résistants, ils sont résistants les moteurs. Ils sont. Faut avouer que ça fait une poignée de dimension de savoir que Ah bon. ça, ouais, ça, je vous avoue que ça nous fait quelque chose Ça aussi, hein, nous parce fait que quelque bah, chose d'énormément ça parce fait des que. années, qu'on le suit Oui. sur notre antenne, bien sûr, sur les différentes compétitions auxquelles il participe, il fait partie de notre effectif aussi, donc bah, il reviendra, hein, bien sûr, de temps en temps, même y compris au com, mais voilà, c'est une page, on va dire une parenthèse dans sa carrière, là, ici, qui se ferme ou qui s'ouvre, tout dépendant, on va dire, de comment le considérer. Voilà, qui me dit, je reviendrai, vous inquiétez pas. Voilà, ça, c'est le genre de message qu'on Ah, veut et voir. on a la C'est beau, raison, c'est beau. on a la raison pour Julien Aufray. Ce n'est pas un problème matériel. Ah! Il a eu 2 fois écran noir. Ah, c'est matériel. Wow. Pas matériel, oui, les C'est un écrans, du coup, peu, je me demande si c'est pas un peu comme les moi, tu vois, Non, quand des fois, c'est t'as pas l'écran pareil. noir de cours. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que. Ouais. On va dire que lui, il a été intelligent, il l'a pris via iRacing et pas via Steam, l'iRacing. Mais bon, ça, c'est Ça, un c'est autre. sûr. Bon, hein, ça va. Hein, Oui, attention. non, ben, c'est la boutade, c'est la boutade. On Je sait n'en peux tout. rien si on m'a mal conseillé. Ça, c'est Voilà. sûr. Mais fallait venir vers moi, je t'aurais bien conseillé, mon ami. Oui, mais à ce Hein? moment-là, tu n'étais pas là. Eh ben Voilà. oui, eh ben Donc, ça, eh ben voilà. Eh voilà. ben oui, eh ben là, voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est tout ce que je Non. peux dire, voilà. Allez, le résultat final de cette course, avant de faire la dernière pause pub, puis de retrouver Tony Repulsar pour les interviews d'après-course. Donc Tony Repulsar vainqueur donc sur la Chevrolet numéro 28 pour la Red Face Racing devant Guillaume Blémont sur la Ford numéro 36 pour la 7 Racing Team devant son équipier Guillaume Pelletier sur la 22. La Toyota 99 de Cyril Nussbaum pour la 99 Racing 4ème, 5ème place pour Frédéric Train sur la Chevrolet numéro 14 pour la Wildcat Racing devant Guillaume Hainaut de la Frascari Sport sur la Chevrolet 60.
68, la Ford 48 de Mickaël Cadeau pour l'Utilis Racing devant la 8 de Philippe Rabot pour l'Occitanie Racing. Puis ensuite, la Chevrolet 88 de Vincent Tomezina pour la RV Sport devant Maxime Herbert sur la Toyota numéro 33 pour la 99ers Racing là aussi. Deuxième page de classement, Cédric Colléo, tiens. Alors, on a du coup Lucas Langrin, du coup, qui finit à la 11e place, pilote numéro 18 sur Chevrolet. Jacques Lacombe qui finit 12e, numéro 27, pilote de la Red Face, pilote Chevrolet. 13e, on a Charles Collignon, qui est pilote Wildcard, qui pilotait la numéro 61 en Chevrolet. Ensuite, on a Nicolas Duberne, 14e, qui finit 14e, qui est pilote de numéro 56 en Chevrolet. William Godot, qui finit 15e, pilote du numéro 03 de la Kraken Racing. Jean-Baptiste Charles, qui finit 16e, pilote numéro 39, pilote Optimate Ford. 17e, on a Milan Koumeyou, qui pilote Frascar eSport, numéro 7. Florian Martin, qui finit 18e, pilote de la RVA eSport. Qui a fait une belle image à la fin avec Nico et Luca et Vincent. Oui. On a Julien Offray qui finit malheureusement 19e, pilote de la Red Face du coup. Ouais. Paul Mazière qui finit 20e aussi, du coup, pilote de la Niners. Ensuite, la deuxième page de classement, on en vient à Jérémy Frawley, dit la prolasse de ses mains. Ouh, ça fait longtemps que je l'avais plus entendu celle-là. Bah ouais, c'était pour ça. Voilà. Donc ensuite, 21e position pour Nicolas Sciapara, pour la Turnleaf Motor sur la Ford numéro 73. Ensuite, on a Joël Guez, donc pilote Wildcard cette saison, qui était sur la Chevrolet numéro 47. Ensuite, on retrouve Ben Roger pour la Wildcard Racing et sur la Chevrolet numéro 97. Septa Lagrand pour l'Occitanie Racing sur la Ford numéro 82. Jean-Philippe Chrétien pour la Red Face Racing sur la Chevrolet 96. Mathieu Leslie pour la SBG Motor Red Racing sur la Chevrolet numéro 08. Julien Lavoine pour l'Optimate Racing sur la Ford numéro 44. Cédric Finsac pour la Turnleaf Motors sur la Ford numéro 24. Yoann Margot ensuite pour l'Occitanie Racing sur la Ford 72. Et enfin pour compléter le top 30, David Paul pour la Frascar eSport sur la Chevrolet numéro 11. Et puis la dernière page de classement, Mister Philippe alias Fanatic. 31e, Antoine Marc pour la 7 Racing Team, numéro 77 sur Ford. 32e, Vincent Bilodel pour la Anubis Racing Team, numéro 76 sur Ford. 33e, Arnaud Gorge pour la Wildcard Racing, numéro 57 sur Chevrolet. 34e, Dylan Fetti pour la 7 Racing Team, numéro 78 sur Ford. Numéro 35e, Eric Skripczak pour la Wildcard Racing, numéro 6 sur Chevrolet. Et alors, nous avons en 36e position, Samy Bourrier pour l'Optimate Racing, numéro 64 sur Ford. Et pour couronner le plateau, dernier, 37e, Fred Altmaier pour la Anubis Racing Team, numéro 29 sur Ford. Parfait! Mais c'est parfait, dis donc, mais quelle bonne façon de dénoncer tout cela. Donc, du coup, petite pause pub et on retrouve juste après Tony Rampussard pour une réaction d'après-course et puis une mise à jour des classements. A tout de suite, restez bien avec nous.
Ce circuit des Amériques qui ce soir aura été le lieu de cette manche numéro 6 de la saison Next Level Racing IFRN Cup Series Spring 2023. On a oublié Okamo pour le coup et on est de retour en direct pour l'après-course et bien sûr débriefer de ce qui se sera passé, de ce qui s'est plutôt passé, bah oui c'est pas au futur, c'était au passé, ici du côté d'Austin avec tout d'abord un homme qui aura dominé cette course, hein. N'ayons pas peur de le dire, c'est le mot n'est pas galvaudé. C'est Tony Repussard, le pilote de la Red Face Racing. Bonsoir Tony, merci de nous avoir rejoint. Place en playoff assurée et une course assurée aussi, hein, devant avec une avance confortable, pas la moindre once d'inquiétude durant la course. Une sérénité somme toute plaisante ou relative, mon cher Tony? Non, salut les mecs, c'est Philippe, Jérém, Cédric et Benji. Ouais, une course relativement calme, on va dire, pour moi. Je savais que j'avais un bon rythme et j'aimais vraiment la voiture ce soir. Elle était vraiment fun à conduire par rapport à l'an passé. Et voilà, donc... Il y avait Julien, s'il serait entraîné un petit peu, peut-être il aurait pu aller me chercher, comme Cyril. Mais voilà, après, j'ai assuré devant, comme on va dire, et j'ai rien vu ce qui s'est passé derrière. Par contre, là, il faudra me tenir informé de ce qui s'est passé, parce que là... J'étais tout seul, c'est vrai que toute ma course, j'ai essayé d'être concentré pour faire zéro incident. Et voilà, ça a marché, quoi. Ouais, effectivement, ça s'est plutôt ainsi bien passé, bien goupillé dans l'ensemble. Oui, il y a eu un petit peu d'action. Hein. On en verra déjà quelques-uns sur le générique de fin de programme, bien entendu. Tu parlais de différence par rapport à l'année passée. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur le sujet pour cette voiture next-gen NASCAR, bien sûr? Déjà, elle est beaucoup plus stable hein, par rapport à l'an passé. On voyait qu'il y avait la dégradation aussi des pneus qui jouait énormément. On perdait, je crois, sur un relais, on perdait 5 secondes. Mm-hmm. Et là, c'était stable tout le long du relais. J'ai même pas eu besoin de changer les pneus, quoi, à nouveau. Et voilà, c'était ça la différence. Et elle était vraiment plus fun à conduire. Il pouvait y avoir des batailles par rapport à l'an passé où elle glissait énormément, c'était compliqué. Mm. Et là, je sais pas ce qui s'est passé derrière, s'il y en a eu beaucoup de batailles. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai bien aimé la voiture comparée à l'an passé. Et... vivement les prochains circuits routiers, on va dire. Bah voilà, bon, il faudra attendre un tout petit peu avant le prochain routier. Hein. Ce sera en juin Sonoma, prochain, hein, Sonoma, exactement. D'ici là, il y a, dans les playoffs en plus, d'ici là, il va y avoir le mois infernal, ou de l'enfer, tel que nous on l'appelle ici au sein de la chaîne. Richmond, Bristol Dirt, Martinsville, Talladega, de l'appréhension. Non, maintenant que je suis qualifié, au moins j'ai ma place assurée. Donc là, je vais essayer d'aider les collègues, là, Julien, Jean-Phi, Charles, Joël et Jacques, pour essayer qu'ils se qualifient, parce que là, ils sont un peu loin au classement. Jean-Phi, là, il est sorti de la zone des playoffs maintenant. Donc là, il faudra que je les aide un petit peu. Et si on arrive à se qualifier déjà deux ou trois voitures, ça sera pas mal, quoi. Mais, ouais. Ça va être un mois assez rude, je pense, là, pour les licences et tout. Là, je suis à fond, moi. J'aurais dit de façon assurée quota parce que là, on va enchaîner des circuits où ça va être un petit peu accidentogène, je pense, avec Richmond et Bristol et Martinsville, quoi. Donc, avoir les licences vraiment full, c'est vraiment important avant d'attaquer ces manches-là, surtout pour le classement équipe, parce qu'on joue aussi le classement équipe. C'est dommage que Julien a été a perdu son écran. Là, il a eu un problème de connexion USB sur son écran, donc écran noir. Ah oui. À 5 tours de la fin. Donc, c'est dommage parce que là, on assurait le doublé pour les équipes. Mais bon. Ouais. Tant pis, hein, ça sera pour la prochaine fois. Quoi. Les affres matérielles, malheureusement, qui frappent Julien Aufray. Hein. Ça, depuis le début de saison, il n'aura pas été épargné. Ça, c'est clair et net. Alors, du coup, aussi, c'était le Gunnar 165 ce soir. Donc, du coup, une petite paire de lunettes pour toi. Hein, merci. Voilà, bah oui, c'est offert par le sponsor. Voilà, donc, tu n'es pas le seul à en avoir gagné une. Hein. Vincent Tomazina aussi en a gagné une. Et Eric Skripzak également. Voilà, c'est eux trois, c'est vous trois qui remportez chacun une paire. Donc, offert par Gunnar, sponsor de cette course ici du côté de Austin. Voilà, comme ça, on dit en passant aussi. Voilà, donc ça fera toujours bien d'avoir lunettes de gaming et pour se protéger parfois des lumières aussi, hein, lumières bleues notamment des écrans. Ouais, des écrans, ouais. Bienvenue. En parlant d'écran, écran et chaîne, bien sûr, comme Badix Motors ici, nous, bien sûr. Mais toi, tu as ta chaîne YouTube aussi, hein, bien sûr. J'en profite pour faire le petit parallèle, mon cher Tony. Ah, bah, c'est gentil, merci. Voilà. Avec une bonne centaine de vidéos quand même, hein, avec ta caméra en bord de piste.
en bord de route ou en bord de terrain, ça dépend hein, Ouais, des aussi. disciplines. Il y a un peu de Ouais, tout. j'aime bien. Et pour le coup, bah voilà. Hein, donc là, bah, dernière vidéo en date, il y a 3 semaines du côté du rallye du Pays Avallonnais, Et notamment. là, bah, ce week-end, je serai peut-être à Épernay s'il fait beau. Ah S'il bah fait voilà. beau. Donc si vous êtes Voilà, dans le le rallye coin. d'Épernay. Si vous êtes dans le coin, bah, allez du Voilà. côté de donc d'Épernay si vous voulez rencontrer notre cher Tony. Et puis bah, d'autres circuits, d'autres lieux peut-être pour Ah bah là, 2023, c'est déjà un ah peu bah le, prévu. là, le mois d'avril, il va être blindé du coup, avec les rallyes. Plus là, bah, je vais faire Spa en fin de mois, là, je crois, hein, le WEC. Ah oui, les 6 heures, Le ok. WEC à Spa, ouais, les 6 Ok. heures, je crois. Donc c'est début mai, ça, je crois, c'est le 1er mai. Ou le, voilà, C'est c'est le week-end du dernier week-end 1er mai, en fait. d'avril, oui, je crois, ouais, Ouais, c'est le effectivement. 29, ouais, voilà, c'est le 1er mai, c'est le week-end du 1er mai. Et après, bah, c'est Magny-Cours, quoi, le 7 et le 8, je crois, pour le World GT, ou je sais plus s'il y a le World GT à Magny-Cours. Non, c'est peut-être il y est pas. Je sais plus, il y a le Alors, c'est, je crois que c'est le GT-FFSA, en GT tout cas. World, oui, il y a le FFSA Championnat de Le France des GT, circuits, voilà. effectivement, FFSA GT4 et FFSA Tourisme, qui Voilà. d'ailleurs évolue cette année aussi. Mais donc voilà, pour le coup, voilà, Tony régulièrement présent en bord de piste, et puis ce nom, avec Exactement. des vidéos parfois, bon, souvent des situations, des actions un petit peu, bah voilà, On est là aussi pour ça, surprenantes. hein, pour voir des cartons. Bah, faut pas se le cacher, voilà, hein, notamment là ici, voilà, en parcourant un tout petit peu la chaîne, vous voyez sur l'écran de droite ici sur le Voilà. live, bah voilà, hein, vous pouvez Je retrouver suis un petit acheté peu ma de. petite caméra, tu vois. C'est un petit plaisir comme ça, les week-ends, des Bah fois. t'as raison, voilà, hein, t'as bien raison, J'aime et bien. puis. Mais j'ai toujours fait ça, donc Ouais, et ça ça fait me dérange déjà pas pas. mal d'années, hein, pour le coup, Ah bah oui, là, quand même. on remonte jusqu'à 2015, même Ah bah tu peux 2013, retrouver encore des avant, vidéos enfin. des 24 heures du Mans 2011 avec le crash de McNish normalement et compagnie quoi. Ouais, voilà, donc autrement dit, il y a quand même de quoi Et faire. j'en ai encore sur mes disques durs, mais pas le temps de les publier. Hein. Ah, exactement, donc Voilà. imaginez quand même, voilà, tout ce que vous pouvez retrouver. Voilà, c'est sur la chaîne de Tony, donc si vous voulez Merci, aller Benjamin. donner, enfin voir un petit aperçu, je glisse le lien sur le chat de Twitch, voilà, la chaîne de Tony, donc voilà, n'hésitez pas. C'est gentil, merci Voilà, beaucoup, pour. Benjamin. Bon, c'est normal, voilà, voilà. Il faut bien avoir une petite récompense quand on gagne. Voilà, hein, donc voilà, ça paraît normal. En plus des lunettes. Bon, en tout cas, merci Tony d'avoir été avec nous. Encore bravo pour ta victoire. Et puis, rendez-vous très vite sur la piste, bien sûr. Au plus vite, ouais, on se donne rendez-vous. Hein. Bah, bien sûr, oui, ça après, voilà. Hein, on vient Après, ici ça si on gagne, dépend. voilà. Hein. Ça dépend que de moi. Hein. Ouais, bah oui, exactement. Bon, en tout cas, Allez. merci Tony. Et puis, bonne suite de soirée à toi, en tout cas. Bonne soirée à vous, à la prochaine. Voilà, Bonne bah, soirée. salut Salut. Tony. Salut à toi. Voilà. Qui aura fait voilà, encore une course. Bah, il aura été dominant, hein, messieurs. Hein, très clairement, là, il aura maîtrisé son Bah sujet. là, on peut pas faire plus dominant, hein. Donc. Après des 30 tours qu'il a mené. Donc Bah oui, c'est ça. Donc très clairement, là. Ouais. Bah, après, on connaît Tony, hein, on sait que c'est un spécialiste du road. Hein, oui. donc, très clairement, même l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, il était pas. Non, je crois qu'il n'avait pas fait l'année dernière. Si, il l'avait fait l'année dernière. Mais je crois que c'est bon, forcément, c'était Antoine qui avait gagné. Donc, du coup, il succède à Antoine, Antoine Antoine Kilikini, Kilikini. ouais, qui Donc, était le seul voilà. vainqueur, hein, Et historiquement ici, ouais. bah, c'est ça. Donc voilà, et bah, très clairement, bah, il prouve que bah, c'est lui le meilleur, avec malheureusement, on va dire, celui qui n'a pas eu trop de chance, bah, Julien Aufray, donc, parce que très clairement, il pouvait très clairement faire quelque chose, je pense aussi, mais voilà, ça prouve encore qu'une fois, Tony est simplement le meilleur sur routier pour l'instant, donc voilà. Effectivement. Bon allez, en attendant, oui, parce que hein, c'était une soirée assez particulière pour le coup. Pour Lucas Jeanvrain qui est avec nous, il a terminé 11e serre de la course, il n'a pas gagné, mais c'est une soirée pas comme les autres parce que bah, c'est sa dernière course. Donc bah, bonsoir Lucas, merci de nous rejoindre hein, en tant que... Avec la casquette de pilote hein, ce soir, même si tu as aussi la casquette de consultant sur notre chaîne aussi, bien évidemment. Mais là, voilà, c'était une soirée un peu émotion, quelque part, de cette dernière course dans ce championnat, pour toi. Bonsoir, déjà merci pour la petite interview surprise. Ouais, c'est vrai que bon la dernière, faut bien que ça s'arrête à un moment donné, j'ai envie de dire. Mais ouais, j'avoue, surtout quand j'ai Flo et Vincent qui m'ont attendu là pour aller éclater la bagnole, j'avoue que ouais, je trouvais ça sympa de leur part, voilà.
Non, mais c'est bien content de l'avoir fini comme cette course du quota. Ouais, cette course, donc Guti termine 11e, et puis bah, voilà un pan, enfin un grand chapitre dans ta carrière, quelque part, de sim racing aussi, qui j'allais dire se ferme, mais plutôt se met entre parenthèses, on va dire ainsi. Oui, c'est ça, bah, c'est totalement ça. Et quand on réfléchit, ça avait commencé déjà avec toi sur Forza. Eh oui. Ça avait commencé avec un Daytona 500 sur Forza 6. C'est Et ça. maintenant, c'est sur e-Racing. Donc, c'est un peu une boucle qui se termine. Mais elle va se rouvrir, j'espère, rapidement. Ouais, puisqu'on rappelle que c'est pour des raisons professionnelles pour le coup que voilà tu vas du coup être absent pour la fin de la saison, que ce soit pour le CFDR comme pour le championnat, donc Next Level Racing F1 Cup Series. Et puis donc il fallait péter cette voiture à la fin, ça c'est un peu Ah bah ta oui, voilà. fallait bien la péter, voilà. Bah, Voilà. j'espère si j'ai la possibilité de refaire peut-être une course ou deux d'ici la fin de saison. Voilà, surtout qu'il y a des courses qui m'intéressent comme Bristol Dirt ou Talladega. Mais voilà, va peut-être falloir attendre avant que je revienne en cup. Bah en tout cas, voilà, mais voilà, on tenait à t'avoir quelques instants parmi nous, parce que voilà, c'est vrai que ça fait quelque chose, notamment à Philippe, hein. Je sais qu'il est assez affecté quand même par cette dernière Mais, qu'il y avait ce soir. je vais pas dire affecté à ce point-là, mais oui, c'est une pointe d'émotion parce que je connais Lucas aussi depuis pas mal d'années. Ça fait presque 5 ans maintenant que l'on se connaît. On s'est côtoyé aussi sur Forza, parce que j'ai commencé aussi sur Forza. Vous Donc, étiez battu en duel sur Forza, sur le Daytona 500, sur Forza exactement, 7 aussi. exactement. Oui, je m'en souviens encore. Moi aussi. Mais oui, mais ça, je me doute. Mais c'est vrai que c'était une pointe d'émotion parce que bon. On s'est côtoyés, on se voit assez souvent, et ben, de savoir que bon, ben, on ne verra plus Lucas régulièrement à ces moments-ci. C'est vrai que ça nous fait quelque chose, mais on lui souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses pour l'avenir, côté professionnel, aussi bien côté professionnel que vie privée. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et puis je te regretterai évidemment sur le CFDR, parce que bon, maintenant, ben, je vais devoir clôturer tout Tu seul, pourras donc plus ça va pas te. être. Ça va pas être évident pour moi, mais bon, on fera avec, t'inquiète Tu vas le pas. faire, je m'inquiète pas. Ne m'inquiète pas pour ça, mais bon, voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ben merci. Puis, si je peux juste. Oui, je t'en prie. Je voulais juste trop le bas. Déjà, merci mes coéquipiers que j'ai eu tout au long de mes années en IFRN, j'ai envie de dire. Puis aussi l'IFRN bah, pour l'organisation, tout ça aussi pour me faire confiance pour avoir commenté l'Ignite. Je commenterai encore lundi soir pour la dernière. Ok. Ça sera la dernière que je vais commenter, mais bah, même pour ça, on va faire confiance pour diffuser ces courses. Bah, merci à eux. Ouais, bah voilà, bah, il fallait saluer tout cela, et donc ça paraissait normal aussi. Et puis bah, moi je te dis en tant que bien évidemment on va dire, créateur et puis chef, on va dire, de la chaîne Benjix Motors et CEO, on va dire ainsi, bah, te remercie aussi pour tout ce que tu as pu apporter au niveau de tes commentaires sur la chaîne. Évidemment, tu es toujours le bienvenu, hein, bien sûr, même si bon, forcément, J'hésiterai pas. les disponibilités vont être forcément plus rares compte tenu de l'environnement professionnel. Mais en tout cas, voilà, tu seras toujours le bienvenu au sein de cette chaîne. Et puis, on a grandement apprécié de t'avoir avec nous. Toutes tes connaissances, toute ton expertise aussi. Et connaissance, le mot est faible comparé à tout ce qu'on a pu constater lors des différents Motor Squeeze, par exemple, sur notre antenne. Donc voilà, c'est vraiment c'est une page d'histoire, parce que voilà, tu fais aussi partie des abonnés historiques de la chaîne. Et voilà, c'était somme toute assez normal que de voilà, faire ce petit moment en ta compagnie ici dans cette après-course. Et je pense que et Cédric Donc, et par Jérémy chialer, c'est bon. aussi. Ouais, non, 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 quand même, quand même. Quand même. On va pas aller Non, mais jusque là non plus. Hein. merci Benji pour tout ce que tu as fait, même vous ici, même tous ceux qui ont commenté avec toi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bah avec grand plaisir. Jérém, Cédric, si vous avez un mot à dire, allez-y, si t'en peux faire avant de passer au classement. Bah, très clairement, Lucas, oui, bah, même si c'est clair que je le connais depuis moins longtemps que ça, mais c'est clair qu'on a toujours passé des moments un peu incroyables. Donc, du coup, que ce soit même quand on faisait des road trips sur Eurotruck Ah ou. oui, les roule-corps s'en souviennent encore, Voilà, hein, exactement. voilà. Mais et puis j'étais très content de l'accueillir au sein du CFDR. Hein, voilà, donc. Ce défi, oui. Ce défi improbable que Lucas s'est lancé de faire du rallycross qui n'est à la base pas du tout son domaine.
Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Ça l'est toujours pas, mais tu te démerdes plutôt bien, donc ça nous fait très plaisir. Mais très clairement, voilà, on sait qu'il y aura peut-être toujours une opportunité ou deux qu'on puisse te revoir un jour. Donc voilà, la porte n'est pas Pour fermée très revenir. clairement. Voilà, la porte n'est pas fermée très clairement. Donc voilà, et puis avec Philippe, je sais qu'on va se lancer bientôt dans les 500 miles de Road America, pardon. Et on s'est dit que j'ai eu la petite idée de faire un petit peu un hommage. Donc du coup, voilà, donc ça sera l'équipe, ça sera la Hakuna Matata Racing Team by CFDR. Donc du coup, Voilà, ouais. voilà. C'est oui. Donc voilà, on a C'est décidé grand oui. voilà, on va faire On te un. rend hommage. Bon, Voilà. évidemment, on évitera les murs, hein, nous, bon, hein, Oh. voilà. Voilà, mais Ce sera un bel hommage si vous ça c'est tenez ce un qu'ils blanc disent distant, mais maintenant, bon, voilà. mais on verra ce Oui, jour-là, là. puisque en plus la course sera retransmise, je vous rappelle, le Road America 500, ce Oui. sera le 15 avril prochain à partir de 14h à vivre en direct sur notre Ah antenne, avant ensuite l'European, non, oui, le 15 avril, donc je dis bien, avant l'European Endurance Championship de la FFSA, donc ce sera une après-midi d'endurance, iRacing, suivi d'Air Factor 2, donc vous avez compris, un beau programme aussi, hein, du côté de moi. voilà, en plus avec ses vieilles, avec ses, on va dire, ses Les ancêtres de voitures le. d'hommes. Voilà, les voitures d'hommes. Donc, en plus, nous, on sera avec la Nissan, donc avec la Nissan GTP, C'est ça. très clairement. Donc, voilà, maintenant, il faut juste qu'on mette au point la livrée. Donc, Voilà. et On est fait prêt, quoi. Voilà. voilà. On On est fait un a peu, hâte. voilà. On On a a hâte hâte d'y être. et très clairement, on n'y va pas pour jouer la gagne, très clairement, on y va Oh pour non, non, non. prendre du Non. plaisir et s'amuser. Et puis voilà, donc. C'est tout ce Allez. qui compte, c'est le On plus tenait important. justement à faire ce petit hommage à Lucas. Donc. Ben voilà. Bah ça me fait plaisir. Et petit conseil, ne faites pas comme moi aux 12 heures de Sebring en la plantant au bout de même pas une Oui, heure. Voilà. exactement. Il y en a un, il s'est bien éclaté la rate hein, ici dans cet Ah, escarpé. N'est-ce pas, mais Philippe? ce jour-là, t'as fait ma journée. Hein, mec. Voilà. Parce Ça. que Oui, voilà. quand tu vois Antoine qui ressort des pits et qui sprint, c'est Ah, magnifique. Antoine, on peut peut-être préciser quel Antoine on parle. Oh, C'est Antoine l'écureuil, voilà, Antoine, qui voilà, nous et fait Antoine cher l'écureuil, comme prix, effectivement. voilà. Ouais. Mais on s'est bien L'écureuil. marré, voilà. Plus Ah, important, mais ouais. de se Non, marrer sur ces courses-là. mais t'as eu un fou rire en plus. Et t'es même Tout passé dans le best-of d'iRacing, qui plus est, dans à le fait. best-of de Mais la je me suis semaine et des 12 auto-balancé. heures de Sebring. Donc ça, c'est quand Je même me suis très très bien. auto-balancé, c'est pour ça. Ah ouais, bah d'accord. Non, Bon, bah voilà. Le mais gars, il s'est voilà. dit, Oui, allez, voilà. je me livre comme ça. Allez, ok. Bah en tout cas, voilà. C'était un petit moment, un petit bonbon, j'allais dire ainsi, quelque part, assez sympathique là ici. Et donc, bah voilà, Lucas Jeanvrain, donc, à qui on souhaite le meilleur pour ta suite de carrière et de vie, j'ai envie de dire ainsi. Et puis, bah, au plaisir de te retrouver sur la piste. Et sinon aussi au com. Quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu, que ce soit sur la Motors ou que ce soit au sein de l'IFRN. Et ça, je n'en doute pas. Un seul instant. Merci beaucoup les gars. Voilà, merci à toi. Avec Alors, on plaisir. va. Tu peux rester avec nous si tu veux pour les Bah, classements. Hein. bien Peu sûr. importe, hein, voilà, hein, comme ça, Allez, restons. même si bien Plus on est, sûr. plus on rit. Hein, Ah bah voilà. plus on est de fous. En plus de ça, regardez, on est en train de re-remontrer cette envolée. Ce crash est magnifique. Ah, il est bon. I believe I can fly, hein, là, Ah, voilà, ça c'est. passe dans le Belgique Motors. Dans le Motors. Motors Ah truc. peut-être, oui, ça pourrait. Oui, on gardera la Ah séquence, tiens. ouais. Allez. On gardera la séquence, effectivement. Allez. Avec une En belle. attendant, les classements remis à jour. Bah, forcément, ça nous bombe quel cadeau, ça change pas. Tony Repulsar, donc maintenant, à sa place en playoff. 6 points de playoff dans son escarcelle. Milan Kumayo, 41 points d'avance sur le premier non qualifié pour les playoffs. Ça commence à être quand même confortable hein, pour Milan Kumayo. Par contre, derrière, pour Frédéric Trins, 26 points, Guillaume Hinault et Maxime Herbert, 18 points chacun, avec des positions de gagnées pour Guillaume Hinault, 3 places de mieux. Mais après, derrière, regardez, hein, Florian Martin, 8 points d'avance, Guillaume Blémont, 7, Vincent Tomasina, 5, Jean-Baptiste Charles, 4, Paul Mazière, 1 sur Jean-Philippe Chrétien, puis Philippe Rimbaud, 9 points de retard, William Godoy, 12 points, 20 points pour David Paul. C'est quand même assez serré tout ça, hein, monsieur. Là, suivi ensuite par Lucas Jeanvrain, mais donc arrête le championnat. Donc, du coup, ben Tu m'as entendu, je voilà. peux y aller peut-être en classe, non?
Alors là, franchement, ça serait incroyable. Faut pas pousser non plus. Voilà, faut pas pousser Bobonne dans les orties, surtout quand t'as pas de culotte. Hein. Alors, Charles Collignon, du coup, 18ème, Nicolas Duberne, 19, et puis Gérard Segarra, 20. Ouais, franchement, cette lutte d'accession au playoff, elle va être quand même très, très, très intense. Hein. Très clairement, bah, on dit, et ça, on le dit depuis le début de saison. Donc, les écarts sont encore très serrés, donc ouais, là rien n'est joué et j'ai hâte ce que ça va donner pour ce mois d'avril. Donc du coup, très clairement, là on peut pas dire qui pour l'instant, hormis les trois premiers avec Cyril, Michael et Tony, mais là très clairement, bon, peut-être Milan, parce que Milan, on peut, je pense, déjà dire qu'il est d'office qualifié pour les playoffs, je pense. Ouais, là, c'est quasi fait, donc après le reste derrière. À moins de perte de licence, ouais. Évidemment aussi. Hein, oui, à moins de perte de licence, oui. Donc, mais sans perte de licence, on peut dire que Milan est d'office qualifié pour les playoffs, ça c'est indéniable. Donc, mais très clairement, là pour le reste, après, ouais, je pense que ça va être très. Ça va y avoir du suspense jusqu'au bout, je pense. Mm-hmm. Surtout que Milan, faut le dire, il peut aussi gagner les courses. Hein, en Dirt, oui, en bien Dirt sûr. Run, il peut aller chercher des victoires. Il peut chercher une victoire à droite à gauche, donc à voir. Ouais, c'est pas impossible, effectivement. Donc ça, oh, et grosse info, alors là, c'est pour le réel. Apparemment, l'organisme d'appel de la NASCAR annule toutes les pénalités de points figées à la Hendrick, apparemment. Ah, et qu'il y avait eu des sanctions au début de saison. Ouais, c'était enfin, par rapport à. C'était pas à Atlanta, c'était après Phoenix. C'était pour Phoenix. Oui, c'était après Phoenix. Ouais. Ah oui, c'était à Phoenix, oui. Donc c'est apparemment, la NASCAR a décidé d'annuler les points. Cas à faire à suivre, ça c'est pour le réel pour le coup. La deuxième page classement, Septalagrand qui perd deux positions. Samy Bourrier, par contre, très très lourde chute hein, quand même dans le classement. Bon, on peut encore se rattraper bien sûr. Nicolas Siapa à trois places de moins. Jacques Récan qui remonte, qui s'éloigne de la zone de relégation. Benoît Holzer ensuite 25e. Julien Lavoine, Julien Auffray, bon, qui gagne quand même des places hein, malgré ses déconvenues ce soir. Guillaume Pelletier qui se sort de la zone de relégation. Arnaud Gorge qui perd une place, Joël Guez qui sort aussi de la zone de relégation, Johan Margot qui n'en est pas loin, Fred Atmeyer qui en est pas loin non plus, Dylan Fetti aussi, Eric Kribza qui est relégable pour l'instant à l'heure où on se parle, ensuite on a Guillaume Blancard mais qui n'était pas là aujourd'hui, Mathieu Leslie qui gagne une place, qui passe devant Antoine Marc, Vincent Piodel, ben, il est toujours dans le top 15 de l'Access donc pour l'instant il se maintiendrait, Du Carré et Cédric Pinsac lui aussi, enfin eux aussi plutôt pour l'instant sont relégables. Les écarts sont pas si énormes. Hein. Là, la bulle, on peut carrément aller de Julien Auffray, voire plutôt Guillaume Pelletier, jusqu'à Eric Skripzak, Guillaume Blancard, peut-être même Mathieu Leslie encore. Ça peut encore bouger, puisque c'est pas à la fin de la saison régulière. Hein. On rappelle, c'est à la fin de la saison complète que ça sera d'application. Les pilotes qui seront relégués, du coup, oui, Cédric, t'allais intervenir, je crois. Et surtout qu'il y a des pilotes qui peuvent encore sortir, hein. Enfin qui peuvent encore remonter. Hein. Et des pilotes qui peuvent encore faire des. Par exemple, pour Guillaume Pelletier, il pourrait essayer aussi à remonter pour les playoffs. Hein. 50 points, ça peut être compliqué. Mais ça peut se faire. Ou même une victoire, un pilote qui fait une victoire, un Fred Atmeyer par exemple, qui fait une victoire à Talladega, ou même un Johan Margot, il peut repasser de l'autre côté et être tranquille. Hein. C'est ça. Mathieu Leslie ou n'importe quel pilote. Peut sortir de la zone rouge en faisant une victoire ou une bonne course ou une bonne fin de saison, c'est faut voir. C'est pas faux effectivement, alors bah voilà, donc pour ce point sur les relégables, le classement des équipes, un point d'avance pour la 99ers sur la Red Face Racing, la Optimus qui est toujours 3ème, il y a quasi pas de changement dans le classement, hein. Frascari Sport 4ème devant la RVR, ensuite l'Occitanie 6ème, 7ème place pour la 7 devant la Wildcats Racing, 4 points d'écart entre eux, la Kraken, la Turneft Motors qui repasse devant la Nubis, et puis la SBG Motorhead Racing qui complète le classement au niveau des équipes. Là aussi, ça a des écarts serrés, mais c'est par groupe, hein, comme c'est souvent le cas d'ailleurs sur ces dernières saisons. C'est très régulièrement le cas que ce soit voilà, des petits groupes ça et là qui se forment pour se batailler pour les positions au niveau des équipes. Alors, ben voilà, hein, en tout cas pour cette manche ici du quota, on va ben, tout doucement se quitter, non sans ben, tout d'abord déjà vous donner les rendez-vous, bien sûr, hein, de la Motors, pour le coup.
Déjà, bah, c'est donc les rendez-vous du mois d'avril, puisque ça y est, le mois de mars se termine. Donc nous, on va pas être en direct jusqu'à lundi prochain. Oui, petite période off, on va dire ainsi. Hein. Après, on en a enchaîné pas mal hein, ces derniers temps, donc ça peut pas faire de mal de temps en temps que de se reposer. Donc du coup, soirée spéciale karting lundi en compagnie de Julien Chastanet, avec Philippe également et avec Ewan Caro aussi qu'on essaiera d'avoir également durant cette soirée. Donc rendez-vous lundi à partir de 21h. Ça va être l'occasion de revenir en image sur le titre mondial obtenu par Julien Chastanet en catégorie KA100 lors des IAM World Final du Mans en octobre de l'année dernière, donc quasiment 6 mois après pour le coup. Ensuite, le lendemain, direction Watkins Glen pour la McLaren F1 GTR qui seront là-bas dans le cadre du Super 8 de l'FFCA. C'est la cinquième manche du championnat avant ensuite d'aller en Supercars V8 sur le circuit de Bathurst pour le 18 avril, donc 2 semaines plus tard. La Next Level Racing Fan Cup Series 2023, bien sûr, qu'on continuera à Richmond mercredi prochain à 21h avant d'aller à Bristol Dirt, puis Martinsville et Talladega chaque mercredi en avril. On rappelle Bendix Motors, home of American Motorsports, plus que jamais. Vendredi 7 avril, la manche de Liesse, CFDR Spring 2023, sixième manche du championnat avant d'aller ensuite sur le tracé trifluvien de Trois-Rivières le 21 avril. Et puis démarrera dès le 10 avril 20h30 la Clio Cup de l'Hyperion eSport. Première escale à Lime Rock avant d'aller ensuite à Houlton Park 2 semaines plus tard. Championnat que vous pourrez suivre en intégralité sur notre antenne. Le GT3 Challenge de la saison 2 de la FFSCA à Manicourt, c'est pour le 13 avril dès 21h sur R-Factor 2 avant ensuite un super samedi d'endurance. Le Road America 500 2023 le 15 avril dès 14h, suivi à 18h30 de l'European Endurance Championship de l'FFSA sur le circuit de Spa-Francorchamps. Deux circuits ô combien mythiques, deux courses qui s'annoncent palpitantes de part et d'autre, aussi bien en ancienne sur Road America qu'en moderne sur Spa-Francorchamps. Et puis ensuite, il y aura encore une manche d'IndyCar avec l'IndyCar de l'Union de la Red Flag Racing à Barber Motorsports Park in Alabama. Ben, on sera en Alabama à la fin du mois d'avril, tout simplement. Hein. On aura d'abord Barber et puis ensuite Talladega pour le coup. Donc on restera dans le même état des États-Unis à la fin de ce mois d'avril, encore une fois. Bendix Motors, home of American Motorsports. Et en parlant de Motorsports et d'American un tout petit peu. Il y a un événement qui se passe du côté du Bahreïn ce week-end. Pour le coup, oui, j'en parle comme ça parce que bah voilà, hein, c'est un petit peu. J'ai fouillé un petit peu sur les réseaux sociaux et c'est bien notre ami Aurélien hein, de Weber Watch, dont vous voyez la pub régulièrement passer sur la chaîne, que j'ai cette petite information et que peut-être avoir du contenu à vous proposer aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est qu'il y a donc du côté de l'Alsace, plus précisément du côté de Hatten, le Biker Custom Day avec moto américaine et des voitures américaines forcément qui seront là sur place. Donc on va essayer, en tout cas je vais faire le déplacement très certainement là-bas pour aller un petit peu voir tout ça. Bah oui, un ratio de voitures américaines, moto américaines, customisation, tout ça. Ça peut être sympa, l'URM, hein. Je te dis ça comme ça parce que je crois que t'es disponible en plus ce samedi, que tu travailles pas, donc... Oui, bah pourquoi pas. Voilà, à Hatton, c'est pas très loin de chez nous, donc voilà. Non, ça va, ça va. Ça, sur les réseaux sociaux, également sur Instagram, donc... bah voilà, de belles américaines, on va pas dire non, hein. Surtout, ah bah, bah non, 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 voilà. Voilà. Donc, pour nous, Home of American Motorsport, si on n'est pas sur des événements comme ça, hein, je me demande ce qu'on fait. Hein, sincèrement. Apparemment Valérie Picard il sera, me dit Eric Pepper. Non, c'est peut-être pour autre chose. C'est peut-être il parle du rythme là ici sur. Enfin, ça parle dans le chat, voilà, en tout cas. Donc, ah non, il troll. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bah c'est notre, c'est Eric Pepper. Hein, bah voilà, oui, le Orinois, le voisin Orinois à qui on remercie. On remercie grandement de nous permettre de diffuser les highlights aussi à chaque début de retransmission. Vous aurez le highlight bien sûr de cette course aussi avant la manche de la semaine prochaine à Richmond. Dernier appel réseaux sociaux avant de se quitter, Facebook, Instagram, toute l'actu en temps réel bien sûr, plus des bonus inside et des partages donc faits sur Instagram, donc restez connectés bien sûr. Si on va sur cet événement là, donc sur Instagram vous aurez pas mal de partages. Twitch pour suivre tous les lives de la chaîne bien sûr, et puis les replays disponibles sur YouTube 24h sur 24, 7 jours sur 7 gratuitement quelques heures après les diffusions. Et sinon si vous êtes plus pressé de retrouver les replays, bah, il vous suffit d'être sub à la chaîne sur Twitch, c'est gratuit pour ceux qui ont Prime, sinon c'est 3,95€ par mois, et vous avez en plus de ça emoji exclusif, badge d'abonné, retransmission sans coupure pub, tout ça
grâce à votre abonnement premium et donc les replays, bien sûr, là, comme dans quelques instants, dans quelques secondes, ce sera disponible pour vous. Merci aux pilotes pour le spectacle offert en piste ce soir. Merci, messieurs, pour vos excellents commentaires, que ce soit Cédric Collot, Jérémy Franly et Philippe alias Fanatic. Merci à vous. Voilà, toujours un plaisir. Voilà. Cédric aussi, tout pareil. Tout pareil. Voilà. Et puis ben, merci enfin à vous, les abonnés, les spectateurs, d'être toujours aussi présents et fidèles au rendez-vous que vous fixe Benjit Motors. En étant avec nous ce soir, une fois de plus, vous avez fait le bon choix. Ah oui, hein, qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre de toute façon, hein. Voilà, il n'y avait rien à la télé. Donc, voilà. Je ne cherchais même pas plus loin. C'était ici qu'il fallait être, de toute façon. Et vous avez bien fait. Et puis, ben, de toute façon, on va se retrouver donc lundi, oui, voilà, c'est ça, pour la soirée spéciale karting à suivre sur notre antenne. J'espère que vous serez là présent parce qu'on va passer un très bon moment, je n'en doute pas. Et puis, ben, aussi, un dernier remerciement aussi, c'est pour Lucas, bien sûr, aussi, qui on souhaite encore une fois le très bon vent pour la suite de ta carrière et de ta vie, même un petit peu. Et encore une fois, toujours le bienvenu quand tu le veux. Et comme vous, les spectateurs, vous êtes bienvenus quand vous voulez ici à nous suivre en direct. Et puis, ben voilà, laisse-le, il aime bien pleurer. Apparemment, nous dit Eric Pepère. Ah voilà, ça chambre encore un tout petit peu. Ben voilà, mais merci en tout cas à toutes et tous. Passez une excellente suite et fin de soirée, une excellente suite et fin de semaine aussi pour le coup. Et puis, ben, rendez-vous très vite sur notre antenne pour d'autres bons moments de Sim Racing. Bye bye, merci à tous, ciao, salut! Bonne soirée, merci à tous. Salut tout le monde.